Bonjour, 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 bonjour. Partagez le direct, s'il vous plaît. Bonjour, ma copine. Malili, comment tu vas? Partage le quota. Partage le quota. Ben, Angénaud, partagez, partagez, partagez. Bonjour, bonjour. On appelle ça que quoi? Que la plus belle femme de la diaspora qui est dans l'église, l'église de la sorcellerie. Bonjour, 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 Diane. La plus belle, là, celle qui m'insulte, je décomme à mon goût. Décomme à mon goût, vraiment. Tu es tombé aussi bas, hein, mon grand. Je ne veux pas jouer le même jeu que toi. C'est pour ça que je ne parle pas de toi. Bonjour, belle. Merci pour le bip tout à l'heure. Je m'appelle. Faut qu'on parle. Ma pépé ne veut pas beaucoup parler, je la comprends. C'est normal. On dit qu'une maman, c'est celle qui caresse, qui tape et qui fait les caresses. Je n'en veux pas. Je peux très bien la comprendre. Mais moi, je veux parler parce que je suis électron libre. Je suis électron libre. Partagez les quotas, partagez, pardon. On écoute un peu. Grâce des cas. 50% de remise plus jusqu'à 40% La sur les maman du challenge. Bonjour Kota. Bonjour Marco. Partagez le direct, Marco. On écoute un peu ma soeur Grâce des cas. J'ai pas le droit d'auteur dans cette musique. Le droit d'auteur revient à ma soeur, Grâce des cas. Même si je maigris pour vous faire plaisir, vous n'allez pas m'aimer. Même si je vous fais boire l'huile. Avec la cuillère, vous n'allez pas m'aimer. Je pouvais être détestée. Au revoir, ma fille Marie-Anne, que je sais qu'elle m'aime. Oh, c'est pas gentil. La musique ne va pas couper. Si ça bug, vous dites que ça bug. La musique de Grâce des cas, là, je pense pas que ça demande les droits d'auteur. Je pense pas. Ouais, c'est mon fils. Les enfants, si vraiment, il n'a pas chargé la tablette. Donc, la tablette est déchargée. On arrête Grâce des cas. Mais je vais un peu vous expliquer un peu ce que parle de la chanson de Grâce des cas. Grâce des cas parle et dit que même si elle porte le sexy, tu ne vas pas l'aimer. Même si elle devient belle, elle fait le make-up comme j'ai fait le make-up là, comme notre tata Lolo, on ne va pas l'aimer. Même si je maigris, je deviens gringa, comme ma pépé, on ne va pas m'aimer. Même si je deviens apaclaré, comme c'est mon ventre, si quatre enfants que vous insultez, vous n'allez pas m'aimer. Donc, comme moi, je me préfère, je vais rester comme je suis et je vais rester moi-même.
Je ne ferai pas tout ça pour vous faire plaisir, parce qu'il faut d'abord se s'aimer soi-même et se faire plaisir à soi. Bonjour, bonjour Tatiana, bonjour ma baisse. Ma S-baisse, parce que tu as refusé mon frère DKM. Donc, je me préfère, je m'aime, j'ai les gens qui m'aiment et ça me suffit. L'amour de Facebook, c'est comme le direct que je vais lancer et je vais arrêter tout à l'heure. Ni vu, ni connu. Donc, moi, je ne cherche pas moi l'amour de Facebook. Parce que je connais comment l'amour de Facebook est. C'est un amour qui ne dure pas. Ça dure le temps d'un direct. Et il y a beaucoup de trahisons, il y a beaucoup de déceptions. Aujourd'hui, j'ai, comme vous avez vu dans ce que j'ai écrit, je parle de notre frère Antoine Essomba. Non, Antoine Atangana. Antoine Atangana. Nous avons tous hier écouté son direct. Ceux qui n'ont pas écouté, je ne sais pas. Il faut la rejouer un peu, mais il avait un direct trop long. Il a même dépassé la barre de challenge de, on appelle ça des ténébreux, jusqu'à, j'ai dormi, je me suis réveillé, je me suis recouché, il était toujours en direct. Donc, le direct là est trop long, mes gens, laissons ça. Vous allez écouter ça peut-être, allez chez Choupinette, Flor Choupinette, allez chez Luculique de Reims, allez chez mes bébés là. Qui coupe les directs là? La tigresse, vous allez voir ça là-bas. Elles ont essayé de couper. Mais c'est trop long. Donc, s'il veut qu'on nous mette ça ici, vous n'allez, on va pas s'en sortir. Mais le message, cela n'empêche pas. Merci, Julia Robert. Oh, Kota, bonjour, ma soeur. Julia Robert, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Partagez le direct. Partagez le direct parce que je vais un peu parler. Un peu à la diaspora qui est encore conscient. À la diaspora qui peut encore comprendre les choses. Qui fait encore la différence des choses. Parce que ce qu'on voit là aujourd'hui, c'est cette diaspora-là qui a pris le pouvoir dans Meta. C'est cette diaspora-là que nous et vous, on vénère. Parce que cette diaspora-là, c'est elle qui est visible. La diaspora sainte, la diaspora travailleur, la diaspora d'exemple, on fait tout pour l'effacer. Et pour lui mettre, pour le mettre dans le noir. Ahmed, Ahmed parle ici. Merci, oui, je ok. Non, hé, hey, ta soeur, ma soeur sénégalaise. Tu as une soeur sénégalaise qui me ressemble. Non, moi, je suis moi camerounaise. Donc, c'est cette diaspora-là qu'on voit. Et c'est cette diaspora-là qu'on a toujours connue. À un moment donné, merci Julia Robert, merci. À un moment donné, je vais plus lire les commentaires pour être plus concentré. À un moment donné, nous-mêmes, on est perdus dans cette diaspora-là. Parce que tu vas voir, comme la petite qui vient de se connecter, qu'on appelle Vénus Germaine. Quand cette petite parle, tu sens déjà, un, que c'est une petite fille. De deux, tu sens que là, il y en a comme ça là. Tu sens que là, elle réfléchit. Quand tu vas intervenir dans les directs, on te donne ce mal oreiller, tu dors, tu rêves, tu fais les beaux rêves. Tu te retrouves dans une école que toi-même, tu n'as même pas allé à la cible à cause des enfants comme ça. Et ce sont elles qui ont choisi de rester dans le noir et que personne ne connaît parce qu'elles ne parlent pas beaucoup. Parce que peut-être elle a peur de votre jugement. Parce que peut-être elle a peur de ce que vous avez pensé d'elle. Vous allez que voir le physique, le matu vu
le bling-bling, les feux d'artifice, vous n'allez pas regarder ce qui est caché derrière. C'est à cause de ça que les Vénus Germaine, c'est son anniversaire. Ah ouais, joyeux anniversaire, Vénus. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Vénus Germaine. Joyeux anniversaire. Ma fille, si tu es dans le noir pour ton choix, reste dans ton noir, mais quand tu es être intelligent, parce que je te connais pas, rien que le fait de t'écouter parler, je sens que tu es une femme qui porte beaucoup, ce qu'on appelle les bagages. Le bagage intellectuel, là, c'est dans ta tête. C'est dans ta tête. Continue à bosser comme tu le fais. Donc, on revient sur ce qu'on est en train de dire. On a toujours apprécié ce qui brille. On a toujours apprécié ce qui fait le bruit, le toc, 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 toc. On n'a jamais apprécié ce qui est les vraies valeurs des gens. On va voir notre frère Antoine qui nous sort une histoire abracadabra comme celle qu'elle a sortie hier. Comme celle qu'elle a sortie hier. Et, attendez, je veux bloquer Nyat Steven là. Je veux d'abord supprimer son commentaire. Et puis, je vais le bloquer lui-même. Il est où? Nyat Steven, viens. Va continuer la haine là-bas. Moi, je ne discute plus avec les faux profils. Un faux profil qui m'insulte, même dans un autre direct, je vois, je te bloque. Point bas, je passe à autre chose. C'est mon nouveau... C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Moi, je suis plus les faux profils. Même dans un direct, je vois un faux profil qui me suit. Je ne cherche pas à savoir. Je te bloque. Tu te reposes à l'amour du Seigneur, c'est tout. Donc, je reviens sur ce qu'on est en train de dire. Cette diaspora-là, qui est pleine d'intelligence, qui est plein de bagages, on ne les voit pas. Parce qu'on a choisi à valoriser cette diaspora pourrie, 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 pourrie. Qu'aujourd'hui, on se trouve dans ce qu'on se trouve aujourd'hui de Antoine qui vient nous raconter sa vie avec sa compagne, Michel. Vrai ou faux? Ce qui est sûr, il y a une part de vérité là-dedans. On va pas dire que ce garçon, tout ce qu'il a fait pendant 5 heures du temps, il n'a que dit du mensonge, c'est faux. On n'est pas bête. On n'est pas tous stupides. Il y a encore les gens intelligents. Les gens qui sont là pour observer, qui vous regardent. Oui, ce qu'il a dit à 90% est vrai. Il a peut-être arrangé ça à sa façon. Que ce soit lui, que ce soit sa compagne, les deux, vraiment, on ne prend rien dans ça. On ne prend rien dans ça. Pourquoi? Parce que c'est cette diaspora qu'on a toujours vénérée. Moi, je me souviens, à l'époque, quand on parlait de les soirées de Paris, ce n'est pas les pépettes qu'on fait aujourd'hui là. Quand les Michel et Somba entraient en salle, toute l'assemblée tremblait. Tout le monde était en strange. Tous les organisateurs, tout le monde se sont eux qu'on voyait comme les Jésus-Christ de Nazareth. Les Saint-Esprit étaient les noms comme ça qui venaient dans les soirées, 5 personnes pour une bouteille de whisky où on a cotisé chacun ses 20 euros. On ne nous guette, on ne nous calculait même pas. Les gens, nos frères là et nos sœurs qui organisent les soirées, ils vous appellent seulement que venez remplir la salle. Et je suis sûr que ce sont même les nous comme ça qui faisaient la beauté des soirées là. Ils ne nous calculent pas. C'est les Michel et Somba qu'on déroulait les tapis rouges, qu'on soulevait jusqu'au ciel quand elle entrait. Aujourd'hui, vous voulez nous dire que quoi? Que c'est une autre Michel et Somba que vous nous présentez aujourd'hui, c'est la même. La différence, c'est seulement que elle change de nom, mais le prénom
est pareil et c'est la même personne. C'est ce que vous aimez. Les matchs vus. Les flashs. Et c'est vous qui venez les insulter. Vous pensez qu'une personne normale qui travaille, qui gagne 1500 euros, qui gagne 1200 euros, qui gagne 2000 euros, peut vivre la vie que les filles la vivent. Dans cette France-ci, que nous tous en est, on dit à Douala Coco, tes mains. On tombe, on se relève. On tombe, on se relève. Mais les filles la vivent comme si eux, ils ne sont pas au même espace que nous. Nous, on est venus juste les acclamer, les regarder, les observer. C'est quoi ça? Et on a resté sur ça pendant les années, pendant les années, pendant les années. Et si tu vas même au Cameroun, on a même contaminé ceux qui sont restés au pays. Parce que quand ils voient les images qui viennent d'ici, c'est ce qu'ils voient. Et tu vas voir. Tu vas voir comment les jeunes, la jeunesse au Cameroun est entrée dedans. La jeunesse au Cameroun est entrée dedans. La vie de paraître. M'as-tu vu? Parce que ce sont les ces personnes que vous avez donné les chaises en or. Les chaises princesses, vos grandes chaises de soirée là. Vous les avez décorées dans la diaspora. Les nous comme ça, on ne doit pas parler parce que je suis grosse. Parce que je ne sais pas me maquiller comme Tata Lolo. Parce que je ne mets pas les talents comme Fleur de Lis. Parce que je ne sais pas parler français comme Maman Pépé. Parce que je ne rapporte pas les milliards d'euros comme Michel et Somba. Vous devez nous mettre à la poubelle. On ne doit pas parler de nous. Ce sont eux qui ont des teams. Des milliers et des milliers de Camerounais qui les suivent, qui les regardent. Beaucoup ont compris que c'est pas ça qu'on attend d'eux. Peut-être on a cru que c'est un jeu. Après, on va revenir à la vie réelle. Elles sont sorties. Elles sont en train de sortir de là pour vivre un peu une vie décente et normale. Beaucoup sont encore restés dans ça. Beaucoup sont encore restés dans ça. Parce que c'est ce que nous, on les a valorisés. On les a valorisés. Et ça a duré tellement que aujourd'hui, l'arrivée de Internet, smartphone, toutes ces choses-là, Facebook, tout, a fait qu'on voit tout le monde. Tu ne peux plus te cacher. Que tu le veuilles ou pas, on va seulement te voir. Même si c'est pas toi qui filme, quelqu'un d'autre va te filmer, il va venir mettre, on va voir. Mais oui. Mais oui, mes frères et sœurs. Jusqu'à quand on va laisser ça? Jusqu'à quand on va continuer dans ça? Monsieur Latangana, viens s'asseoir. Hier. Yeah. Vous racontez toute cette saleté qui nous est sortie hier. Toute cette saleté qui nous est sortie hier. Il avait plus de 1000, 2000 personnes en ligne. Moi-même, il peut compris. On l'écoutait. Oui. Parce qu'on aime aussi écouter, il ne faut pas se mentir. Mais après, il faut taper fort. Moi, j'étais dans ce direct pour écouter, pour apprendre, le répondre comme je le réponds là. Donc, moi, je vais dire, à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. C'est trop facile d'appeler les gens, nous regarder et ne rien sortir dans ce qu'on fait. Parce qu'on a eu nous-mêmes l'habitude de valoriser ceux qui ne sont rien, ceux qui ne rapportent rien. Vous avez tous écouté le discours de ce monsieur. Un discours incroyable qu'un être humain censé ne doit même pas prononcer, raconter aux gens. Même si c'est ton meilleur ami, tu devais garder ça. Tu devais m'avoir honte de raconter ça aux gens.
Tu es venu nous raconter ça pour quand tu es Michel Essomba? Vous pensez que Michel Essomba est trop forte pour être tout ce qu'elle a fait ou bien tout ce que vous avez raconté qu'elle a fait? C'est parce que vous-même, les hommes qui sont avec elle, vous êtes derrière elle depuis les siècles des siècles pour ça. C'est elle-même la vraie victime dans ce truc. S'il faut vraiment regarder, elle, son moment va arriver. Je parle d'abord à ce monsieur qui est venu nous sortir un direct de 5 heures du temps pour nous raconter comment il accompagnait sa femme se prostituer parce qu'elle était escort girl. Oui, vous avez dit que Natacha de Monaco vous a dit que c'est un métier comme tout le reste. Il nous racontait comment il vivait la vie de débauche, comment il avait l'argent pour une histoire abracadabra. Comment ils escroquaient, monsieur, comment vraiment c'est. Je me demande même souvent si, même si vous n'avez pas les gens qui peuvent vous parler, dormez un peu, réfléchissez un peu. Dites-vous un peu que est-ce que c'est bien ce que je vais dire? Même si ce n'est pas moi encore, parce que tu disais que c'est elle, c'est elle, c'est elle. Toi-même, tu faisais quoi dedans? C'est pour ça que la police, quand la police est venue, on vous a porté toutes les deux. Vous partiez. Vous avez fait la prison à deux. Oui. Parce que si c'était elle la mauvaise, toi-même, tu faisais quoi? Et je suis sûr que Michel Essomba, mais jusqu'à maintenant, il n'a pas compris. On va toujours venir la soutenir. Moi, je ne te soutiens pas, Michel Essomba. Je ne te soutiens pas parce que je n'attends rien de toi. Tu dis que tu es ma petite soeur. Tu viens de fêter tes 42 ans. Moi, depuis que je suis encore mes petites là, que je ne connaissais même pas encore bien, bien la vie, je te voyais déjà tourner avec mes frères. Donc, toi, tu as envie de commencer comme ça? Et c'est comme ça que vous êtes toujours des enfants. Vous ne vieillissez pas. Vous êtes toujours des bébés. Tu veux qu'on compte combien d'années tu tournes dans les soirées à Paris? Et on retire ça dans les 42 ans là. Et on voit ce qui va rester. Ça suffit, hein? On ne veut plus voir cette diaspora-là. J'appelle ici à tous mes frères, les organisateurs des soirées. Valorisez-nous aussi. Valorisez-nous. Valorisez ces femmes qui se lèvent tous les matins pour aller travailler. Ces hommes qui se lèvent tous les matins pour aller travailler. Arrêtez de valoriser ces personnes qu'on ne sait pas d'où ils viennent avec leur argent. Et vous les donnez l'or. Et vous les donnez tous les mérites. Nous, on est dans le Shabbat. Et ils sont dans les tapis rouges. Ce sont vos enfants qui vont écoper de leurs bêtises là. Et avec votre complicité. Ce sont vos propres enfants. Comme vous voulez l'argent, vous ne regardez pas le bon sens. Oui. Ce sont vos enfants qui vont écoper ça. Ne pensez pas que ce n'est que les enfants des autres qui vont voir ça. Vous-même, les organisateurs de soirées-là, qui ont toujours valorisé ces personnes. Les vrais gens qui viennent dans les soirées ne sont pas vus. Parce qu'ils n'ont pas les milliards à dépenser. On n'a pas de baignoires de champagne à offrir. Souvent, tu vois même à la fin de soirée, hein, les nous comme ça, qu'on attend que le bus commence à 6 heures pour rentrer, prendre le premier bus. On reste là-bas jusqu'à Tetekekoba. Tu vois que dans les tables où il y avait les baignoires, c'est les tables des stars là. Star Wolowos, Star Bandi, Star Prostines, Star tout ce qui est mauvais. Les champagnes n'ont même pas bu la moitié. Ils n'ont même pas bu la moitié. Tu te demandes si c'est un plan avec les promoteurs, avec les organisateurs. Tu te demandes si vraiment les gens si ont payé ça, parce que même si tu ne finis pas, moi souvent, le petit whisky qui nous reste là, je prends comme ça. Je m'en vais monter dans mon bus avec. Arrêtez un peu. Arrêtez, c'est trop, vraiment, vous voulez qu'on vous parle. Tout le monde doit devenir blogueuse. Tout le monde va devenir blogueuse pour vous parler.
Si les vrais blogueurs n'ont pas fait le travail comme il faut, parce qu'eux-mêmes, ce ne sont pas des exemples. C'est quoi ça? Tu arrives dans une soirée, les cinq marraines, elles sont toutes belles. Tu te demandes que les filles là-même, elles sont refaites. Elles ont des poitrines, toutes les chirurgies, nanani, nanana. Elles ont les maquilleuses professionnelles, tout, tout, tout. Tu te demandes que, est-ce qu'on est tous dans le même monde? Les ongles, les faux ongles à main, du 1er au 31. Mais ce ne sont pas les gens qui travaillent dans les bureaux. Soi-disant, elles n'ont pas fait les études. Parce que quand je demande les CV elles comptent pour moi, là, ménagère, aide de toilette, RSH, assistant de vie, auxiliaire de vie, cuisinière. Oui. Il n'y a pas un CV avec Bac plus nanani nanana, BTS nanani nanana. Il n'y a aucun CV qui a tout ça. Gardien de nuit, chauffeur de taxi, il a encore dit ambulancier, nanani. Un CV, on appelle ça que le CV des Français moyens. Mais eux, ils vivent plus que les Français riches. Oui. Vous allez vous dire, Nicole Somba fait les études. Elle a grandi en France. Elle est venue à 9 ans. Et machin, machin. Elle est passée par le français. Elle fait quoi de ce français? Elle fait quoi de ce français? Même les papiers. Abracatabra. Doum, 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 doum. Doum, doum, doum. Doudou, 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 cher bandit est mort hier. Elle n'avait pas de papier. Et beaucoup sont comme ça. C'était ça la diaspora que j'ai trouvée ici en Bain. Oui. C'était ça, cette diaspora-là. Moi, quand je suis arrivée, il y a ma grande soeur qui est dans le direct là, Jackie. Elle m'a dit, ma petite soeur, tu viens d'arriver. Ne fais pas comme nous. Ne va même pas faire le travail de restaurant là où on te paye 50 euros la journée. Nanani, nanana. Tu vas entrer dans les histoires de Paris, tu vas perdre le temps, tu vas pas vite avoir ton kaolo. Cherche d'abord ton papier. J'ai commencé d'abord à chercher mon papier. J'ai eu mon premier titre de séjour à Antony. J'habitais à Montrouge. Mon premier titre de séjour de un an à Antony. Après, quand on m'a donné mes un an, j'ai déménagé de Montrouge. Je suis maintenant allé à Nanterre parce que j'étais déjà au niveau de Valois-Perrier. Je partais maintenant qu'à Nanterre. J'ai eu mes papiers à Nanterre. J'ai eu mes 10 ans à Nanterre. Oui. Vous avez dit que nous tous sommes mariés, les blancs, parce qu'on veut avoir, nanani, nanana, on veut les blancs, machin, machin, c'est pas tout le monde. Vous avez valorisé seulement ceux qui vivent, qui ont les mêmes CV que vous. Comme par hasard. Comme par hasard. Notre soeur n'avait même pas de kaolo. Parce qu'elle était dans un monde vicieux. Quand tu vas venir les parler, c'est comme si tu as quelque chose avec eux. C'est comme si tu veux quelque chose. Michel, je n'ai rien contre toi. Mais les gens comme toi, là, ça suffit. On en a marre. C'est pas parce que tu fais pas les directs. Mais tu fais plus de bruit que ceux qui se présentent dans Facebook. Si moi, si je te dis pas ça, c'est que je suis hypocrite avec toi. Regarde même ta maman. Compression Maléba qui te soutient depuis le début. Elle est ici. Elle n'en peut plus. Elle est ici. Wati Kamoningo Kanyingo. Tu penses que cette fille va passer toute sa vie à te soutenir? Elle n'a pas arrêté de. Elle a fait au moins 50 directs aujourd'hui. On faisait que signaler. Parce que les gens n'étaient pas d'accord. Mais je la comprends la raison. Quand on est loyal, on est loyal.
C'est toi qui se promènes dans tous les inbox. Tu vas appeler tout le monde. Tu appelles l'eau, tu appelles Flo, tu appelles l'autre, tu appelles l'autre, tu appelles l'autre, tu appelles tout le monde. On t'a dit qu'on doit aimer, on doit être aimé par tout le monde. C'est pas possible. Toujours les mêmes choses sur Facebook. Toujours, vous allez voir que dans 3-5 ans encore, on va revenir sur ça. Parce que cette histoire-ci, c'est une série. C'est une série. On dit saison 5, saison 3, saison 4, saison 1. Toutes les histoires-là, hein, c'est les séries qui continuent. Il n'y a rien de nouveau. C'est les choses qui étaient là. Mais c'est parce que les filles-là et ces garçons ne retiennent pas. C'est pour cela qu'on reparle encore de ça 5 ans, 10 ans après. Parce que si c'était les gens intelligents, après l'épisode là, quelqu'un se met à côté. Quelqu'un se met à côté, on oublie. Même quand on parle de la personne, on ne parle plus de la personne pour, sur ce domaine-là. Mais non! Elles sont toujours en train d'écraser leur sorcellerie. Bac, 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 bac. C'est quoi ça? Composition va te soutenir jusqu'à quand? La pauvre! Elle est ici, elle est ici. Elle n'a même pas pu faire le direct. Elle n'a même pas pu faire le direct. Parce qu'on la signalait. On la signalait. Vous pensez que parce qu'on est loyal, on est bête. Vous allez dire que parce qu'elle est mendiante, parce qu'elle cherche quelque chose. C'est ces bénédictions qu'elle cherche. Parce que toutes ces personnes-là, qui sont comme les essolas partout, essolas là, à la fin, on voit votre fin. Même dans nos vraies vies au quartier, même dans nos vraies vies en famille, les gens comme vous là, vous pensez que parce qu'on est trop bon là, on est trop bête, c'est faux. Et même vous qui faites la méchanceté, la gentillesse, mais calculée là, c'est vous là, qu'à la fin, on voit que tout ce que tu donnais n'était pas pur. On connaît les oncles qui avaient beaucoup d'argent, qui étaient le barbare de la famille. Hier, l'oncle est devenu comme ça, elle a commencé, il est devenu nothing. Parce que tout ce qu'il faisait là, c'était pas du pur, c'était pas du clair, c'était pas du bon. Quand il te donnait 1000 francs, c'est parce qu'il voulait que demain, quand il a un truc, c'était pour acheter même ton amour. C'était pour acheter même tout, tout ne venait pas naturellement. Tu peux pas faire ça, ma chérie. Cette femme-là te supporte, elle te supporte. Mais à un moment donné, faut la, si tu l'aimes, protège-la aussi. Protège-la. Tu fais semblant de ne pas parler, mais tu parles. Les gens comme toi, c'est les gens dangereux. Dangereuses. Tu parles pas devant les gens, mais tu parles plus derrière. Tous les jours, les mêmes histoires. L'autre vient s'asseoir et commence à raconter sa vie, sa Bible, comme s'il est en train de saboter Michel, comme s'il est en train de dénigrer Michel. Pourtant, c'est de lui-même qu'il parlait. Il s'est même pas rendu compte. Il était tellement dans son jeu, il rigolait. Et les faux profils envoyaient, oh papa, tu es beau, hein. Ah bon? On a dit que j'ai mal à l'œil, là. Ah bon? Et je suis belle. Je n'ai pas un gros ventre. Vous voyez comment? N'importe quoi. C'est quoi ça? Oh Michel ceci, oh Michel cela, oh Michel, et toi tu étais où? Toi tu étais où? Quand Michel était tout ce que tu nous as présenté hier, tu étais avec elle. Heureusement que tu ne pouvais pas nier. Parce que tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Comment tu lui tenais la main? Comment tu étais là? Parce que elle, quand elle est avec toi, elle ne cache pas ces choses, hein. Elle ne cache pas. Vous allez manger son argent là, lui faire travailler comme vous lui faites travailler là. C'est que si elle va seulement que vous affichez.
Vous n'allez pas vous cacher. Personne ne viendra la nièce derrière et manger son argent caché. Elle va que vous exposer, maman. Pour l'autre là, hein, je suis même d'accord avec toi. Oui. Parce que si on ne voyait pas, il allait peut-être dire qu'il n'était pas là. Ça ne le concernait même pas, ni de loin, ni de près. Oui, il allait dire ça. C'est pour ça que je dis que même celui qui est avec toi aujourd'hui là, qu'il a parlé de lui dans ton direct. Demain, on va aussi venir écouter son histoire. Parce que c'est comme ça que vous vivez, c'est vos vies. Et c'est vous là que les gens vénèrent. C'est vous qu'on montre comme la diaspora. Quand on parle de la diaspora, Michel Essomba, Madame Atangana, Monsieur Ceci, c'est vous la diaspora. Les nous comme ça, on est naughty. Ben oui, c'est vous la diaspora. Ben oui, c'est vous la vraie diaspora. Parce que c'est ceux qui ont pris, on ne veut plus voir ça. Bonjour ma copine. Elle. Bonjour ma co. Hey, je vais dans les toilettes avant de te parler. Oui, je dis que bonjour les quotas. Bonjour. Maman, j'ai aimé le direct de ma tête. Oui. Et je dis encore ma tête, merci. Merci parce que tu es loyal. C'est-à-dire que tu as fait ce qu'on appelle être une mère. Elle a fermé la bouche. Oui, elle a fermé la bouche. C'est-à-dire qu'elle a fait ce qu'on appelle être une mère. Parce que prenons l'exemple, même quand on dit que ton enfant a tué, tu as déjà vu une mère qu'on a accusé que l'enfant a tué, que la mère ne supporte pas son enfant. Mmh. Le papa rendre visite à son enfant en prison, c'est ce que ma pépé a fait. Bravo, ma pépé. Mais on ne dit pas qu'elle est sainte. Mais de ta part, oui, tu es une femme. T'as causé tu es une mère. Ben oui, tu es une mère. Tu as bien fait ta sortie. Hein, j'ai aimé. Même comme les gens coupaient ton truc là, oui. Tu as dit ce qu'il fallait dire. Tu es digne d'être une maman. Tu es digne. Tu n'es pas là seulement pour parler avec la bouche. Ça se voit sur ton visage. Tu es une femme rayonnante. Et là, je t'aime. J'ai toujours dit que je t'aime. Ma pépé, reste comme tu es là. Laisse Michel et Somba qu'elle aille se rallier avec les ténébreux là. Mais toi, tu restes sur ta ligne de conduite que c'est ta fille. Et tu dois défendre ta fille pour te valoir. C'est comme ça. Tu vas défendre ta fille. Tu vas la supporter. Et c'est comme ça, être mère. Ce n'est pas avec la bouche. Tu ne parles pas avec la bouche. Tu la supportes. T'as sorti. Non, ma pépé, chapeau. Elle n'a que fait ça, maman. Ben oui. C'est pour ça que les gens pensent que pépé, tu vis que dans la poche, dans le narine de Nicole Minier. Cette fille-là, pourtant, c'est faux. Pépé, c'est une personne loyale. Elle a encore montré aux yeux du monde qu'elle est loyale. Ce qu'on attendait. Les gens n'ont pas été. Ah, ça se voyait. Il y a Cécile qui est là depuis. Laisse-moi parler un peu un mot. Bonjour ma belle. Oh, il y a quelqu'un. Oui, d'accord. Oui, bonjour ma belle Sandola Mignon d'or. Oui, ma belle, ça va. Bon, oui, bonjour. Moi, excusez-moi, tu sais que chez nous, les étonnes, je suis ta belle, c'est parce que mon époux est Douala, mais moi, je suis étonne 100%. Oui. Et tu sais que de chez nous, les étonnes, nous, on n'est pas hypocrites. Excuse-moi, je sais que tu ne vas pas accepter. Laisse que je m'exprime même 2 minutes. Je t'ai expliqué ce que l'autre attend avant que tu parles. J'ai bien dit
dans le direct de Nicole, où quand tu es venu parler de Michel, je n'ai pas voulu. C'est parce que l'histoire, je ne voulais pas... J'ai compris, oui. Oui, j'ai compris, ma belle. Je vais donner la sucotte. Oui, j'ai compris, ma belle sœur. Elle est partie parler dans les ténèbres. Donc là, maintenant, moi-même, c'est mon deuxième direct, non? C'est mon deuxième direct, non? Donc tu es libre de dire tout ce que tu veux. Oui, c'est ma grand-pépé qui est devant. Ma belle sœur, moi, je ne serai pas, je ne suis pas d'accord avec maman pépé. Je ne suis pas d'accord du tout. Parce que quand il y a quelque chose, il faut dire la vérité. Et quand on suit, comme je t'ai dit que je suis maman bébé depuis 2012, et tu vois que, quand tu vois que la team TK s'était séparée, c'était d'abord le problème de Lolo, la TK s'était séparée. Oui. Maintenant, quand il y a un curieux, maman bébé doit d'abord avoir le tact pour venir parler. Parce que nous, on n'est pas les enfants de fous ou de bêtes pour venir pleurer quand elle pleure. Pour venir là, se lamenter quand on insulte. Ça fait mal quand on insulte. Ça fait mal. Dis que Michel, machin. Non. Tu ne peux pas dire que. Même la Bible dit que si tu vois que le bras, si une pierre, si tu coupes ce bras, tu jettes. Michel, ça ne peut pas venir tout le temps faire ça. Et maman Pépé dit que c'est ça. C'est une fille de quoi? Même moi, je suis mère de 4 enfants. Si ma fille fuck up, je dirais à ma fille, tu as fuck up. Tu ne viens pas. Si ma fille va voler. Mais elle a dit. Non. Maman elle dit, quand elle vient dire que elle ne peut pas traverser le sang de Nicole. De Michel, ça veut dire quoi? Que nous qui allons supporter, elle doit traverser nos coussins? Parce qu'on est les inconnus? Non, écoute, c'est pas comme ça. J'ai compris le sang. En tout cas, moi, je vais que Bérissou manque le sortir. Attends, tu vas reparler. Attends, c'est que moi, ce que j'ai entendu, c'est que maman Pépé me dit qu'elle ne va pas donner Michel en pâture. En sacrifice. Et je suis sûr qu'en interne, Selon nous, la sagesse voudrait que maman Pépé ne devait même pas s'exprimer sur ce problème, elle devait laisser ça comme ça. Parce qu'elle elle va heurter beaucoup de personnes. Moi, je te le dis, en tant que j'ai 48 ans. Non. Oui. Moi, elle ne m'a pas heurté. Attends, la façon que vous parlez, ce n'est pas la même façon que moi, je vois les choses. Moi, une comme moi. À partir d'aujourd'hui, moi, je supporte qu'il perpétue parce que je n'aime pas l'hypocrisie. Ma chérie. Je n'aime pas l'hypocrisie. Elle n'est pas hypocrite. C'est pas grave, ma chérie. Je n'aime pas l'hypocrisie. C'est que perpétue m'a pas dit. Elle a très mal fait. Et à moi, à partir d'aujourd'hui, moi, je ne la supporte plus. Parce que c'est comme si. C'est pas grave. Oui, je m'en fous. Ce n'est pas bien du tout ce qu'elle a fait. Sa sortie était très mauvaise sortie. C'est ça. Si vous aimez quelqu'un, dites-lui la vérité. Mais tu m'as dit la vérité, ça fait plus que Nicole. Non, il faut pas encourager pour encourager. Non. Dites des vérités aux gens qu'on aime. Il faut dire des vérités. Parce qu'après ça, nous, on ne dort pas après. On supporte une personne qui vient dire que machin. C'est ça que les gens la queue de mendiant. Les gens la queue de mendiant parce que elle ne prend pas sa place. Je suis désolé. Moi, ça fait 2012. Elle m'a perdu. Elle a perdu. Elle m'occupe de beaucoup de gens. Je suis désolé. Attends, donc tu supportais Perpétue pour les Nicole et Somba, ça veut dire que tu ne supportais pas Perpétue. Attends, je vais t'expliquer ma belle sœur. Non, ce n'est pas pour Michel, maman Perpétue, elle n'a pas été loyale sur ce coup. Je vous dis la vérité. Elle n'a pas été loyale. Elle dit qu'elle parle. C'est le même genre. Elle ne peut pas parler à l'Ossole. Puis elle a accepté Michel parce qu'elle avait Michel pour de l'argent. Je suis désolé de vous dire. Elle a dit ça. J'ai bien suivi son direct. Je suis pas. J'ai suivi son direct. Elle a dit que Michel n'a jamais été sa copine. Non, ça veut dire que tu es une détractrice de ma chérie. Ah oui, je suis ma copine depuis 2012. Je suis ma copine depuis 2012. C'est ma copine qui a même fait que je sorte de mon. Je suis pas détractrice.
Mais c'est que vous ne dites pas les vérités. Vous ne dites pas les vérités. Je suis totalement vindicatrice, ma chérie. Elle devait rester neutre. Elle devait rester neutre. Elle devait pas se prononcer. Elle devait rester neutre. Vous encouragez le peuple. Elle devait rester neutre. Ce n'est pas bien du tout. Tu devais rester neutre. Oui. C'est quoi? Michel, tu vas tout le temps, Michel, tu vas tout le temps. Non, souffle derrière. C'est quoi? Je suis prononcée. Elle change pourquoi? Je ne sais pas prononcer. Elle vous dit pas de se prononcer. Elle ne se prononce pas. Mais pas ne va pas se prononcer. Donc on va accuser son enfant, elle va rester comme ça. Elle ne dit rien. Non, pour vous. Elle ne dit rien. Vous êtes comme ça, vous êtes méchant. Ça veut dire que votre père est noir. Oui, ça veut dire que votre père est noir. Mais j'ai dit qu'elle est noire. Votre père est noir comme le charbon. Elle n'a pas tort. Elle a dit qu'on fait. Moi, non. À partir d'aujourd'hui, il fait. Moi, il faut une place. Vous comprenez qu'on peut craindre. Là, je m'en fous. Je l'en fous. Toi-même, tu n'aimes pas ma faute. Toi-même, tu n'aimes pas ma faute. Tu viens inciter les gens aussi là. La personne qui n'aime pas Pépé, tu pars. Maman Lili, attends, je vais recadrer le direct. Mais je vous préviens. Complémentaire. Vous incitez les gens n'importe comment. De l'un million de pardon, je vais parler. Oui. Je vous préviens. Je vais être pardon, je vais être c'est même quoi ça. Vous me connaissez. C'est même quoi. Vous pensez que compression, c'est votre chienne. Elle n'a pas son mot à dire. Voilà. Elle n'a pas son mot à dire. C'est quoi cette histoire? Entre elle et elle n'a pas son mot à dire. Moi, je ne vois pas les followers, je ne suis pas blogueuse. Je passe mon message. Je laisse mon message. Je ne suis pas là pour la haine. C'est quoi ça? Chez le morgue l'autre jour, on a dit qu'on m'a cherché chez Nicole parce que je mettais l'eau dans le vin. Elle n'a pas son mot à dire. Elle dit que Michel et son mari n'ont jamais été sa copine. Et ce n'est pas sa copine. Ce n'est pas sa copine. Elle peut parler. Sa sortie. Vous n'avez jamais été de la TKC. Les gens qui sont dans la TKC depuis le début ne peuvent pas tirer sur la balle réelle par rapport à sa sortie. Elle devait être neutre. Donc ça veut dire qu'elle devait fermer sa bouche. Elle devait fermer sa bouche. Mais c'est quoi les trucs de gauche à droite? Bonjour. Mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi quand c'est une histoire de compression, il faut toujours qu'on l'insulte? Je ne fais plus partie de la TKC. Je ne fais plus partie de ceci. Je ne fais plus partie de ceci. Attends, elle finit. C'est quoi cette histoire de compression? Elle a dit que Michel et Somba n'a jamais été ma copine. Elle a commencé à défendre Michel et Somba. Depuis le début, elle a dit que Michel et Somba n'a jamais été ma copine. Elle dit qu'elle n'a pas de problème avec Anne Ocellé. Elle a répété dans son direct que je n'ai pas de problème avec Anne Ocellé. Mon problème, c'est parce que Anne Ocellé est en train de se rallier avec son ennemi de Rouen. Hein? Exactement. C'est ce qu'elle est en train de dire. Parce que Anne Ocellé habite à Rouen. L'ex du gars de compression habite à Rouen et aucune femme ne peut accepter ça. Aucune femme sur terre ne peut accepter ça. Tu ne peux pas être ma copine et tu vas avec mes gens qui m'insultent. Sa sortie a fait que donc elle devait rester muet. C'est le mougou, c'est la chienne, on doit la tirer comme on veut. Elle doit fermer sa bouche, elle ne doit pas dire son mot. Parce qu'elle va perdre les abonnés. Même si on reste deux, on va rester deux. Foutez-nous le camp avec ça. C'est ça qui est ça. C'est les bagouas, ça. Mais c'est pas possible. Foutez-nous le camp avec tout ça. Moi, je suis dépassé à vie. Je ne change pas d'équipe. Je ne suis pas bipolaire. Je ne change pas d'équipe. Foutez-nous le camp avec ça. Même si elle reste seule. Donc, elle ne va pas dire son mot. Non. Même toi, je dirais tout à l'heure, je vais parler un peu. Même Flore a fait le direct tout à l'heure. Et elle a soutenu la sortie de Perpétue. Et moi, je soutiens encore plus la sortie de Perpétue. Okay. Perpétue, elle s'est comportée comme je voulais. C'est comme si je parlais avec elle avant. Merde. C'est les bas quoi ça? Moi, je ne suis pas ami avec Michel Somba. Je ne la connais pas. Je la vois seulement dans les soirées. Quand c'est pas vanne là. Ou bien quand elle va dans les soirées. Donc moi, je peux lui dire ce que je pense en dosant un peu dans le respect.
qui n'est pas mendiante dans cette toile. Qui n'est pas mendiante dans cette toile. On attend ce que elle dit pour que c'est la sauce là qu'on les condiments là qu'on va cuisiner Michel et Somba. Mais, et elle a dit qu'elle ne sait pas dans la cuisine. Vous êtes exagéré. Vous êtes dans la tête. Moi, à partir d'aujourd'hui, je ne soutiens plus Pépé. On va rester même deux. C'est quoi? C'est quel chantage d'abonner ça? Bonjour. Tout le monde est mendiante dans Pépé. On a les deux pour Google. C'est Chloé. Bonjour. Chloé parle. Bonjour à tous. Franchement, je suis un peu choquée. Tout le monde, je pense que tout le monde ici, personne ne perd la connexion de personne. Et maman Pépé est libre de faire court. Tout ce qu'elle veut. Personne ne donne l'ordre à Maman Perpé, ni à tout que ce soit. Si Maman Perpé est venue parler, on peut gronder l'enfant derrière. Mais je ne peux pas voir mon enfant en train de bagarrer avec une copine. Je viens, je commence à gronder mon enfant, mais l'enfant va pleurer devant sa copine. Je dois protéger d'abord, je dois d'abord mettre la paix devant, et je rentre à la maison, je commence à tirer les oreilles de mon enfant. Mais vous, l'autre qui vient là, commence à insulter, moi je suis putain qu'à ce moment. Je dis bien, beaucoup sont partis de la TKC. Même si nous sommes trois, on va combattre. Et on va rester là maintenant. Elle a mis le poste là, elle a mis la vidéo de ma pépé. Il y a les injures là-bas. Mais quand c'est l'autre qui fuck up, on ne met pas sa vidéo. Hein. On vous voit venir. On vous voit venir. Je suis TKC à vie. Je suis TKC à vie. Attendez. Tout le monde le fuck up ici, on ne met pas la vidéo qu'on insulte. Attendez, Chloé, attends. S'il te plaît. Moi, la manipulation des faux profils, là, je ne l'aime pas. Flore et compression, c'est une place. Et Flore ne dirige pas compression, compression ne dirige pas Flore. Exactement. Flore ne dirige pas ses abonnés ne la dirigent pas. Les abonnés de Perpétue ne la dirigent pas non plus. Et elle ne dirige pas ses abonnés. C'est pour vous montrer quand je vous dis que ma Kota Lili, Facebook, si. Oui. Facebook, si. Je te dis manipulation, si plus, plus. Tu donnes ta vie aux abonnés, si. Hein, tu vas vendre ton âme au diable. Je suis Perpétue à vie, même si on reste deux. Laissez Flore et Compressor, si vous parlez, dites, parlez du sujet, ne faites plus la comparaison que l'autre, non, c'est pas bon. Non, Flore, moi, j'ai pas prononcé le nom. Flore, non, même si tu ne prononces pas, il y a les gens aussi qui ont compris comme moi. Flore a fait le direct tout à l'heure. Elle a soutenu le direct de sa copine. Bien sûr. Et tu penses que les gens qui signalaient compression, c'était pas seulement les autres personnes. Hein. Il y avait même les TKC là-bas qui ne voulaient pas que compression parle parce qu'ils étaient pas d'accord. Ben oui. On doit respecter chacun avait sa façon de parler. Et ce je vois souvent, très bien parlé. Mais je vois souvent moi, si Compressor livrait Michel Somba en peinture. Moi-même, je devais me gâter avec elle. Je devais même m'appeler pour me gâter avec elle. Elle a dit les mots qu'il fallait. Oui. Et on a bien compris. Les gens qui attendent toujours la haine là, peut-être qu'ils n'ont pas compris les paroles parce qu'on n'a pas dit que sur elle. Mais elle, on sentait qu'elle a tapé, elle est en train de taper l'enfant derrière. Que tu tapes, tu fais des caresses. C'est ce qu'elle est en train de faire. Mais c'est ça. Je demande, est-ce qu'il y a même mort d'homme? Est-ce qu'il y a mort d'homme pour que les gens haïssent les gens comme ça? Pourquoi cette haine sur Facebook? Maman, va dans ta famille, va te fâcher dans ta famille. C'est tout que ça, tu viens mettre les organes sur ça. Juste à dire qu'il y a mort d'homme. Donc, je vous laisse. Est-ce que Compressor est morte? Elle n'est pas morte. Elle est vivante. Mais pourquoi toujours attiser la haine? Mais mes chères soeurs, la haine n'est pas bien. Si Compressor fait Elle est là. Mais Compressor est venu dire publiquement, et sa jeune qui ne lui donnait plus à manger. Mais c'est quoi ça même? Comme ça, dis donc. Quoi, la Chloé, et ça fait quoi? Chloé, ne lui donnait plus à manger. Chloé, bande de chute-back. Chloé, c'est de la sorcellerie là. Hein.
chaque fois qu'elle peut faire une sortie, on trouve toujours qu'elle a mangé. Je dis que elle n'a jamais fait de sortie là où on dit qu'elle a bien fait. On met toujours celle qu'on met toujours la peinture sur son visage. Mais Ndolem Nyondo, merci pour ton direct. C'est juste pour dire, la dame qui a appelé tout à l'heure, ce n'est pas Flore qui l'a envoyé. C'est pas Flore qui l'a envoyé. Elle parle pour elle-même. Si elle n'a qu'à quitter, elle n'a qu'à quitter. Parce que Flore avait dit que... Flore de Lille avait dit, la TKC et les abeilles, c'est une place. Mais il y a beaucoup des abeilles qui disent qu'elles sont comme ça. Parce que lui, on ne gère pas ça. Et les abeilles sont aussi libres. Flore a dit tous les jours que quand elle s'est appelée du calme, vous ne comprenez pas quoi. Voilà. Le problème, c'est que la sortie de Maman Perpé, moi, j'ai aimé. Pourquoi? Parce que si Maman Perpé fusillait Michel et Somba, ça allait commencer à applaudir. Maman Perpé est sortie en grande dame. Et elle a bien parlé. Moi, j'ai aimé. Je lui ai même la tarde. Depuis la journée, elle dort bien. Il attend même qu'elle vienne écouter depuis là qu'elle attend. J'ai beaucoup aimé la sortie de Maman Perpé. Ça prouve que Maman Perpé défend Michel et Somba depuis des années. Maman Perpé défend Michel et Somba depuis des années. On ne trahit pas ses amis. Ça veut dire que Perpé est une femme royale. Oh, vous parlez. Je suis TK à sa vie. Je ne quitte pas. Même si on met ce tour. Moi, je suis TK à sa vie. Perpé, il devait dire que non, la mère. Attends un peu. Michel, je ne l'apprécie pas non plus. Parce que Pepetu ne veut pas être tous les jours en train de tourner de même bagarre tous les jours à cause de Michel. Michel Somba, c'est un enfant. Perpétue a voulu juste montrer à Michel Le Somba que elle, Perpétue, c'est une grande dame. C'est même quoi ça? Pour appeler que c'est Perpétue qui vient porter son fardeau, même Jésus l'a mort depuis, on l'attend, on ne trouve pas où il est. Je te dis, ma mère, depuis on attend, on est assis par terre. Mamiendo, je pense que cette fois-ci, elle va comprendre. Mais si elle ne comprend pas, c'est là où elle va tirer. Que si elle essaie de trahir Perpétue, Michel Somba, si tu essaies de trahir Perpétue, je transforme mon Facebook en page. Ah ben oui. C'est clair. Si t'es cassé à vie, il ne part pas de là. Non, mais c'est même si c'est au cas des clients, tu vas seulement m'enlever de là. Ça ne sert à rien, tout ça là. Okay. Maman ne peut pas faire sa sortie. Pour ceux qui disent que, wow, Jésus, t'es cassé, je ne suis pas, maman, pas. Je supportais ma bébé depuis 2012. Si tu ne l'as jamais supporté, si tu viens partir maintenant en 2023, ça veut dire que tu n'as jamais été. Même Mafo, ils vont dire ça pour Mafo alors. Parce que même Mafo, elle fait ce qu'elle a envie de faire, elle ne fait pas ce que vous les abonnez, vous dites qu'elle fasse. Voilà. C'est ça. Tu vois même que la réconciliation entre Maman Perpé et Flore de Lille, chacun a perdu des abonnés d'un autre côté. Je pense que la sortie de Maman Perpé a fermé la bouche de Tonodieu. Parce que c'est ça qu'ils attendaient, que Maman Perpé ne va pas se soutenir.
comme j'étais dans le direct la première. Même si je parle pour une personne, je ne parle pas de la personne pour le crucifier. Non. Même quand je crie sur Michel, là, je ne laisserai jamais qu'on vienne étaler son reste qui reste là dehors ici. Non. Je dose un peu. Parce que vous n'aimez pas qu'on dose. Vous aimez quand, comme Antoine a fait hier. C'est ce que vous aimez. C'est ce qu'il nous dit. Il a même refait le poste. Il a refait le poste qui va faire l'article 2. On attend l'article 2. C'est pour lui là-bas. C'est pour lui là-bas. Il est en train de se suer lui-même. Il n'a pas honte. Un homme qui accompagne sa femme à se prostituer, il vient nous dire quoi là. Vraiment, je me suis dépassé. Je sais que le monde même est devenu comme. Je suis dépassé. Les hommes sont devenus comme des animaux. Michel, là, on parlait de Michel parce que Michel même n'a pas eu de la chance de tomber sur les bons gars. Elle est toujours tombée sur les bandits qui viennent seulement l'exploiter. Vraiment de Dieu, il ne sait pas. Moi, ça me dépasse. Mais oui. Tu penses que quoi? Que Michel n'a pas aussi le cœur. Un homme qui accompagne sa femme aller se prostituer et vient s'asseoir sur la toile pour parler. Comme elle aussi, elle aime le matu vu. C'est pour ça qu'elle tombe toujours dans les pièges là. Parce que même Nicole, Michel aussi n'est pas facile. C'est ça aussi. 50 pour 50 directs. Même si on reste dans le décalé, c'est le 22. On va rester là. Honte pour lui-même en commençant. C'est lui-même la honte. C'est lui le protéinette là, vrai. Il veut te raconter quoi aux gens? Jusqu'à Yves Levent. Michel a crédit et il se blâchit que mon frère, tu t'es bien écouté, tu as entendu ce que tu as dit, hein? Tu viens nous dire que quoi? Qu'est-ce que tu as fait pour sortir Michel de là? Quand tu demandes l'argent à Paul, tu ne peux pas aller travailler, les taxis sont finis en France. Tu n'as pas dit que tu es ambulancier avec tout le travail qui est ici, les gens qui tombent tous les jours. Tu sais combien d'heures on attend en ambulance, ce qu'on appelle les SAMU. Il y a le travail. Va travailler. Arrêtez de venir pomper les gens sur Meta. Venir activer les feux. Et comme il y a aussi les mamies pour ça partout, et ceux qui s'attendent seulement que ça brûle pour venir. C'est pas possible, ça. Il fallait que son prochain livre... Michel Essomba, sur le ténébreux, les ténébreux là, même Michel Essomba a lu l'heure là-bas le jour qu'elle est partie là-bas. Et c'est ce que j'ai dit dans mon direct, qu'elle est un direct organisé de parler là-bas par hasard. Elle s'est préparée avec les ténébreux. Maman Prépétue est venue confirmer ça. Elle pensait que les filles allaient la caresser de sens de poids. Même si les filles là te disent quoi au noir, Michel Essomba, les filles là vont. Te fait du mal rien que pour atteindre le compresseur. Il faut être sage. Comment vous voulez qu'on vous parle? On vous explique les choses comment, à Bambana. Ou on vous explique comment les filles, sinon. Même si ce n'est pas pour toi, même si toi, tu t'aimes plus que tout, mais ils vont te salir. Ils vont te faire du mal parce qu'ils veulent toucher le compresseur. Vous n'avez pas compris quoi dans la vie. On doit tout vous mettre sans dessin. On vous explique ça comment. Là où Nadège Mbapa est là, si elle voit le poison de compresseur, elle va prendre ça. Et tout le monde sait ici que tu es le totem de compresseur. Tu crois qu'elle va venir te dire que quoi? Elle va t'aimer plus que compresseur. Tu vas là-bas, tu appelles même Coco. Coco, aujourd'hui, on sait que Nadège Mbapa a pris Coco en avion. C'est pour tuer Flore et compresseur. Tu vas t'allier là-bas. Tu as même les numéros. Comme par hasard, appelle-moi. Michel, appelle-moi. Tu as eu son numéro, mais tu ne les as jamais vus. Michel, il y a qui derrière le Congossa de Facebook? Laisse Prépétue aussi souffler un peu. Elle est petite, ce n'est pas toi seul qui elle ne doit pas te gérer toute ta vie. À un moment donné, il faut arrêter. Composé aussi est fatigué de te défendre. Défends, c'est à cause de toi, 90% de tous les problèmes de compresseur, c'est à cause de toi, Dameta. C'est trop, même si c'est que tu l'as payé, l'argent là n'est pas encore fini. L'argent là n'est pas encore fini, Michel. Arrête, on va vous parler.
allez, vous vous prenez comme des grandes femmes qu'on ne doit pas vous parler. Vous venez remplir votre salité. Si j'étais déjà vu un jour, en dehors, j'étais croisé dans les soirées, là, dans une, même chez quelqu'un, chez un ami, même dans la famille un jour. Non. Parce qu'on ne fréquente pas les mêmes gens. On ne fréquente pas les mêmes milieux. Tu m'as sauvé mon petit frère qui traîne avec toi là-bas à Paris, qui s'appelle Patou. C'est mon petit frère, mais ce n'est pas mon ami, je ne mange pas avec lui. On peut se rencontrer dans la famille. Mais quand il va te voir, il va te voir dehors, je ne suis pas avec lui. Mais c'est quoi ça même? Les vieilles femmes comme vous, on parle de Michel depuis le temps, mais aujourd'hui elle a 32 ans. On la manipule, elle est devenue un enfant. Tous les jours. Les mêmes choses. Et puis j'ai appelé Tata Lolo. Et puis Tata Lolo m'a dit que laisse, je ne parle pas, je gère. Et puis quand j'ai vu Nadège Mbapa, j'ai donné de l'eau à Nadège Mbapa. Elle m'a dit que non, ne parle pas, je gère. Et puis Coco a dit que Wakatologo. Tonton Basso, oui. Et puis il a dit que j'ai perdu mon père. Et puis j'ai dit que non, ce n'est pas, je ne suis pas Yaoundé. Il a dit que non, je gère. Et puis, tu connais notre père qui est à Rouen, après Rouen là. Après Rouen là, oui, après Rouen, je m'appelle là, oui. Ah oui, le tonton là. Et puis le tonton là dit que, il a acheté des bonbons. Et, c'est quoi ça? Les vieilles femmes comme vous. Je te dis l'autre jour d'accoucher un enfant, tu t'occupes de l'enfant. C'est trop. C'est trop ça. On peut parler des vieilles femmes comme ça tous les jours, tout autant. Marco. Personne qui vient incriminer ma tête. Vous êtes libre de la famille et de nous faire la soutenir. Ce n'est pas elle qui a allumé, qui vous a fait créer votre Facebook. Ce n'est pas vous qui l'avez demandé de venir sur Facebook. C'est-à-dire que les personnes qui ont des. Ça parle pas bien, Marco. Ça parle pas bien, ce qu'on sent. Ça bug un peu. Oui, ça va. Vous m'entendez? Ça bug. Tu m'entends là? Ça bug. Attends, écoute-moi, tu m'entends là? Oui, tu m'entends ou pas? Oui, j'étais en train de dire que les deux personnes qui sont entrées pour incriminer ma pépé, ce sont des haineux. Elles sont haineuses. D'accord, tu vas me donner les deux qui a dit que ma... Oui, celle qui a dit que ma faut une place là, tu n'es pas abeille. Parce que les abeilles ne sont pas haineuses. Les vraies abeilles ne sont pas haineuses. Toi qui es venu parler là, et dit que, Ngrengala, toi, tu n'es pas abeille. Tu es une haineuse. Donc, tu n'as pas à venir parler au nom des abeilles. Et celle qui a dit qu'elle n'est plus t'es cassée, tu n'as qu'à partir, mamie. Parce que ma pépé, n'a pas, ne t'a pas obligé d'allumer ton Facebook pour la soutenir. Elle ne t'avait pas obligé. Donc, tu es libre de partir. Donc, une de perdue dit de retrouver. Même celle qui a dit, oh, ma chaîne, je suis Mafo, une place. Tu n'aimes pas Mafo. Toi qui as parlé là, que Mafo, une place, tu ne l'aimes pas. Tu es haineuse. Ça fait les abeilles ne sont pas haineux. Les abeilles ne sont pas haineux. Et quand tu dis que tu supportes quelqu'un, tu supportes. Ça dit que ma pépé, j'ai dit encore, oui. Ayo, parce que ta sortie était digne du maire. Si vous avez bien, pour ceux qui suivent ma pépé, la dernière fois elle est sortie, elle a dit quoi? Que la personne que vous voyez, elle parlait de Michel Somba. Que quand elle était malade, elle n'est même pas venue. Mais Anne-Estelle était là. Mais Anne-Estelle, aujourd'hui,
Elle a dit, ah non, c'est là. Vous voyez, vous voulez qu'elle fasse quoi? Vous voulez, je dis, hein, en tant qu'être humain, qu'est-ce que vous voulez que ma pépé fasse? Qu'elle vienne se mettre en spectacle comme les gamines? Elle a eu la posture digne du maire. Digne. Elle a tapé sur Michel Essomba en inbox. Elle est venue, elle a dit qu'elle ne peut pas, elle ne peut pas allumer sa caméra. Elle vous a dit quoi? Elle a dit quoi? Que vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Mais moi, je dis ce que je veux. Voilà. Elle a raison. Mais pour elle, et c'est effectivement, mais pour elle, regardez, quand on accuse même quelqu'un qui a tué, il y a les gens de la famille qui viennent là, ouais, oui, il a tué, mais qu'est-ce que la maman fait? La maman est là comme ça, elle observe comment on incrimine son enfant, mais elle ne peut pas venir là dire que tu as tué, je t'abandonne, non! Mais les autres membres de la famille incriminent l'enfant, mais la maman ne peut rien faire. La maman ne peut pas dire fermez vos bouches, vous voyez la réalité, dites ce que vous voulez, mais n'incriminez pas ma mère. Elle ne peut pas faire ce monsieur, que vous avez voulu qu'elle fasse. Monsieur a fait hier. Le direct de la mais attends, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait la le direct de la famille. Attends, je finis parce que je vais partir, je vais travailler. Je suis au travail. Moi, je voulais dire que ceux qui disent que ma pépé supporte Michel parce que Michel lui donne. Vous n'avez rien compris de la vie, en fait. Vous n'avez rien compris de la loyauté. Vous n'avez rien compris. Parce que si vous avez compris ce que c'est que la loyauté, vous ne pouviez pas dire ça de ma pépé. Parce que elle est sortie, elle a dit, je pense au bon moment que nous avons vécu ensemble. Et pourquoi ma pépé sort? Parce que ce monsieur est sorti. Si ce monsieur ne sortait pas, ma pépé ne sortait pas. Ma pépé a vu là où le problème était en train de partir. C'est pour ça qu'elle est sortie. Elle a dit que non, je ne peux pas accepter ça. Qu'on fasse ça de Michel à ma présence. Même si Michel, elle veut faire, c'est son problème. Mais venant d'elle, non. Ça, c'est le... Et elle a raison. Pour ceux qui sont un peu fuités, pour ceux qui sont un peu fuités, devaient comprendre que ma pépé, sa sortie est géniale. Elle était vraiment super. Moi, j'ai aimé. Donc, pour ceux qui disent que ouais, elles ne sont plus qu'à se dégager, partez. Purée, partez. Celles qui disent, oh, ma faut une place, tu n'es pas abeille. Tu n'es pas. Tu n'es que. Soutenir la sortie de ma pépé. Heureusement. Mais attends. Attends, vous ne pouvez pas dire que vous êtes là pour la paix et puis que y a quelqu'un d'allié qui est là, qui a des problèmes, au lieu qu'on resserre les rangs. Non, elle est ceci. Celle qui parle là, que oh, je suis plus ma chérie, j'ai toujours fait ceci. Si tu veux ma chérie, elle ne t'a jamais attaché le pied. Peut-être elle ne te connaît même pas. Donc dégage, purée, partez, laissez-la. Ma pépé, c'est une femme loyale. Et elle, Michel Essomba, tant pis pour elle, si elle passe à lier. Mais venant de ma pépé, elle ne fera pas ça. Elle ne fera pas ce que vous attendez là. C'est tout. Celui de Atangadala, hier, je l'ai lavé dans ce direct là parce que je disais que, mais quel est cet homme? Il pleure les finances. Ce monsieur pleure les finances. Parce que s'il ne pleurait pas les finances, quand Michel a eu ce monsieur Paul là. Pourquoi il est parti voir monsieur Paul par derrière pour dire que il est le mari à Michel? Pourquoi il l'a fait? Pourquoi il l'a fait? Il l'a fait parce qu'il voulait escroquer ce monsieur. Il voulait escroquer ce monsieur. Donc, il a tapé dos à Michel. Il a tapé dos à Michel pour que tout se passe que dans son compte. Mais est-ce que vous êtes qui? Vous ne pouvez pas comprendre cette histoire. Mais ce n'est pas un homme là qui est venu parler. Il est en train de pleurer les finances. Il est en train de pleurer les finances. Un monsieur qui avait le RSA, mais foutez la paix avec cette histoire de RSA. Mais ce n'est pas possible.
Non, je ne connais pas ceci. Ça dit que si je m'assois pour décrypter le live du monsieur là, personne ne va l'aimer. Parce que c'est un manipulateur, un gigolo, regardez, un professionnel. Il était comme un ancien Bangando. Un vrai possédant, un vrai. Ça dit que non. La diaspora arrive jusqu'au comment, ciel. Comment? C'est les gens comme ça. Exactement. Comment ta femme dit que bon voilà quelqu'un, voilà que j'ai rencontré, j'ai machin. Tu vois comment il commence à donner l'argent. Tu dis mais pourquoi tu lui as pas dit que je suis ton mari? Il passe pas derrière, il pas dit au monsieur. Le monsieur a commencé à virer l'argent dans son compte. Le monsieur a commencé à virer, c'est pas l'escroquerie ça, c'est pas la manipulation ça, c'est pas un gigolo ça, c'est pas un pourcenette ça. Il pense que être pourcenette c'est quoi, ou gigolo c'est quoi. Il pense que c'est quoi. Il ne pouvait pas, si c'était un homme normal, il ne pouvait pas aller voir ce monsieur Paul, pas derrière. Lui-même il a dit, il se vendait lui-même hier. C'est là où j'ai dit que ce monsieur n'est pas sain. Il vient, vous allez vous-même juger si je suis gigolo, si je suis porcelain. Tu l'es, mon ami, tu l'es. Ça dit que ça se voit à 1100, ça dit à 1 milliard de mètres. Ça se voit de kilomètres, ça se voit. Parce que tu n'es pas sérieux. Tout ce que tu racontais, comment ta femme veut partir, tu ouvres son sac, tu enlèves les téléphones, tu ne sais pas ce qu'elle fait. Tu savais très bien ce qu'elle fait, mais tu voulais rester par derrière, contacter les gens avec qui elle traite, puisque tu as ouvert son téléphone, tu as pris tous les numéros, tu as contacté toutes ces personnes. Tu penses que tu as affaire à qui? Aux enfants? Quand tu venais parler, tu parlais aux enfants. Tu as ouvert son téléphone et tu as pris tous les coordonnées et tu as contacté ces personnes-là. Et ces personnes t'ont versé de l'argent. Un maître chanteur. Mako, pardon, je suis au travail là. Parce que à l'heure de direct, si ce n'est pas souvent génial pour moi, parce que je suis obligé de fuir pour aller aux toilettes. Ça dit que pour ceux qui supportent ma pépé, supportez-la jusqu'aux os. Et laissez les aînés partir. Parce que c'est des personnes qui n'ont pas compris ce que c'est que la vie. Et ma pépé, big up à toi. Vas-y, merci beaucoup ma copine. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Depuis combien d'années ça dure? Depuis combien d'années? C'est Michel Somba qui nous a ramené dans le clan de Facebook ici, qui a ouvert le clan de Facebook ici. Elle devait connaître comment ça marche. On ne devait pas encore parler d'elle aujourd'hui comme si c'était une nouvelle star. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Depuis les années, renvoie encore, j'ai envoyé ces parties. Renvoie encore ta demande. Depuis les années que Pépé, tu supportes cette fille. Depuis les années. Non, tu devais au moins soulager un peu Pépé. Tu devais soulager un peu Pépé. Mais là où c'est toi qui vas chez tout le monde, les gens qui détestent Pépé, qui cherchent le poison de Pépé. Non, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Toujours les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes gens, les mêmes gens, les mêmes gens. Si on va dans YouTube, on va trouver les mêmes choses. Les mêmes choses. Les mêmes choses depuis les années, depuis 8 ans. Si on tape sur YouTube, les mêmes choses depuis 8 ans, depuis 9 ans. J'ai accepté, c'est en train de mouliner. Non, à un moment donné, stop. Tu devais connaître Facebook plus que tout le monde ici, Michel. Tu devais connaître Facebook plus que tout le monde.
Écoutez l'histoire à Bracatabra que son mari qu'elle a épousé est venu nous raconter. Attends, ah ok, parle d'abord. Allô? Oui, ma parole. Oui, bonsoir. Oui, vas-y. Je vais juste un peu parler par rapport à... je suis quand même un peu le direct depuis là, mais je vais juste préciser certains trucs parce que il y a une certaine Chloé qui a intervenu tout à l'heure et tout, et je voyais elle insistait beaucoup par rapport à la dame qui est venue insulter un peu. Insulter compresseur dans le direct. Donc, et je vois dans les écrits, on essaie de lui convaincre que en fait ce ne sont pas les vraies abeilles et que d'après ce que toi tu as dit là, qu'il y a des gens quand la paix de compresseur et de ma foi, elles ont perdu beaucoup. Moi je sais parce que quand je vois des gens de compresseur aujourd'hui, il n'y a plus les têtes cassées d'avant. Je vois là, il y a beaucoup de marques dans la tête cassée d'avant. Les abeilles. Je t'ai d'abord en train d'attaquer d'abord pour qu'on puisse avant d'aller chez ma femme. Parce que les deux cas ont perdu. Ils ont perdu. Parce que moi, j'étais moi du côté de Flore, sans te mentir, de Mafo, sans te mentir. Et je voyais la team de compression aussi à l'époque. C'était pas le ron. Aujourd'hui, on ne les voit plus. Ils sont partis à cause de la SFR. Tout de même comme la team de Flore. Tu comprends? Beaucoup sont partis. Parce que quand les abeilles étaient les abeilles. Mais attends, c'est que c'est, on vous dit quoi? Là, en 2 secondes, ils ont fermé ta page. En 3 secondes, ils ont sorti ton dossier. Oui, il n'y a même personne qui fait encore le direct chez Mafo. Pourtant, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait. Mais attends. Les casse-têtes dans le truc là, les directs à 2h du matin, les directs à ceci, à tout moment tu es là, tu es. Il n'y a plus à cause de cette paix. Donc elles arrêtent un peu de vouloir toujours que ça si les personnes des camps, les différents camps arrêtent toujours de dire ah non, c'est que les gens de fond ne sont pas d'accord. Non. Il y a des personnes qui sont là pour régler les comptes. Tu as compris un peu, non? C'est des personnes qui avaient un problème personnel avec contre Flore. Avec des problèmes personnels contre toi. Ils sont entrés dans la team de TKC pour soutenir Compression juste parce qu'elle était en clash avec eux. Tu comprends un peu? Et aujourd'hui, tel Compression fait la paix avec, ça les énerve. Ils ont envie de dire que la paix ne règne pas. Bravo. Tu comprends? La paix ne règne pas et qu'ils continuent à se clasher, ça les fait du bien. C'est vice versa. Comme le milieu des deux là, je ne veux pas que quelqu'un ne me manipule pas. Non, je vais te dire, il y a les gens dans la team de Mafo qui sont partis aujourd'hui chez Lolo là-bas. Même les gens de Proposition qui sont dans la team de Lolo à cause de cette paix-là. Tu as compris, non? Les gens de Mafo, que moi, on était avec en combat. Là-bas, ils sont là-bas chez même ceux de Proposition qui me voient, ils disent, mais attends, mais ils sont aujourd'hui, ils préfèrent. Et c'est des personnes, ça veut dire, c'est des personnes qui avaient des problèmes personnels. Exactement. Et ils voulaient que ces deux dames-là étaient en train de se clasher pour motiver. Exactement. Alors qu'ils se cassent. Ils ne viennent pas là-bas commencer à dire que, oui, telle a dit que, les abeilles de Mafo ne supportent pas Compression. La TKC ne supporte pas Mafo. Jamais. Ceux qui font ça, c'est des gens qui ont des problèmes personnels avec ces dames-là. Et ils doivent aller régler leurs problèmes. Alors qu'ils laissent ces deux-là en paix. Parce que, je vais encore rappeler à cette Chloé qui est là. Chloé, il y a une dame là, je crois que c'est peut-être toi, Dolène Yondo. C'était un jour, je crois, dans le direct de Nicole. Il y avait, où c'était le direct de Nicole? Oui. Elle est venue ce jour-là, cette là. Elle parlait tellement avec Tu viens d'arriver dans le direct? Oui. Ça veut dire que tu viens d'arriver. C'est la dame là qui est venue parler, reparler, et Chloé est montée pour parler de ma pépé, les deux là. Voilà, merci. Aujourd'hui, voilà. Vous tous me donnez raison. Voilà. Merci. Il y a une dame là. Et la dame là, elle est du côté de Compression. Et elle est venue un jour là dans le direct de la Lyon. Elle était tellement contre ma foule. Et contre le père. Que moi, mais je suis entrée dans le direct. C'est pas avec mon profil si, hein. C'est avec notre profil. Je suis entrée avec ce jour-là. Parce que mon boulot, mon profil a été bloqué. Je l'ai pris. Ouais. On s'est bien chargé. Elle dit, mais non, arrête ça.
Elle était toujours en train de dire que elle ne croit pas à Flore. Elle ne croit pas à la paix de Flore parce que Flore, elle met tout le point d'interrogation. Il faut tu guettes Flore. Pour les deux teams là. Oui, il faut tu faire pour les deux teams là. Il faut toujours mettre Flore toujours au point. J'ai dit que mais pourquoi tu trouves que c'est Flore qui peut trahir, compression de poser trahir. J'ai dit laisse la dame la paix. Je n'ai jamais été contre Mafo. J'adore Mafo jusqu'à demain. La personne qui parle mal à Mafo va me trouver sur son chemin. Maman, tu comprends. Flore, c'est qui, maman? Moi, c'est Chloé. Je suis en train de dire que tu me comprends pas. Je suis en train de dire que Chloé, je l'ai suivi en train quand tu es dans le direct. Parce que je suis bien pour le direct. Tu parlais d'une. Tu insistais qu'il y a une dame qui a parlé, qui a insulté Composition tout à l'heure et qu'on n'a rien dit. Parce que je vois aussi dans tes écrits là. C'est où j'ai dit non, il faut que j'entre dans le direct pour te rappeler que maman, regarde, les gens qui viennent faire ça, ce sont des personnes qui ont leurs problèmes personnels. Je sais. Je sais. Ne dis pas que c'est les abeilles. Certes, ils sont des abeilles, mais pas des vraies abeilles. Je sais. Personnes, ça dit qu'on a fait Castelloja, qu'elle est venue soutenir Compression parce qu'elle a un problème. Elle connaît Flore dans la vie réelle. Elle a un problème. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand elle vient faire ça, quand elle vient faire ça, ne dites pas que c'est les abeilles. Non, non. C'est vrai. Tu as raison, maman. Je crois que c'était toi le jour là, tu disais que tu connais la femme là, tu as essayé de la décrire qu'elle est quelque part en France là-bas, dans une zone, elle a tremblé, elle ne parlait plus. Je crois que c'était toi. La personne lui a même parlé le Yaoundé, je ne sais pas un truc comme ça. Elle est restée comme ça, commence à arriver. Tu as dit que tu vas sortir ton profil. Tu t'en souviens d'elle? Non, c'est pas Chloé, c'était pas moi. C'était pas moi. Non, c'était pas Chloé. On ne dit pas toi, Chloé. On parle d'accord. Les haineuses de Flore et Pepe qui viennent profiter. Ah, d'accord. Mettre leur haine. D'accord. Ok. Elle attend de parler d'un direct passé. D'accord. Oui, un direct passé qui était dans le. C'était chez Nicole. La femme était tellement. Elle a Nicole ou la lionne, les deux. Oui, voilà, elle était rageuse. C'était entre, oui, la lionne et l'autre. Mmh. Elle était rageuse. Elle dit que j'étais obligée d'entrer dans le direct. Je lui ai dit non, laisse Compression en paix. Mais elle oui. est bien là où elle est. Toi, ton truc, si tu as un problème particulier avec eux, Flore va gérer ton problème. On s'est chamaillé. Mais oui. Je lui ai dit que quand tu vois Flore, elle est heureuse. Moi, je veux la voir comme ça pour s'occuper de sa mère. Mmh. Je veux voir Compression comme ça pour s'occuper de sa fille. C'est quoi avez-vous la peine? On s'est Merci que vous avez compris, les enfants. C'est ce que je voulais vous faire comprendre depuis. Mais vous ne m'écoutez pas. Vous dites souvent ce jour où je dis câble. Ah, la femme doit aller à la mémède. Hein. Vous me lavez. Quand vous avez la vie de Roma, je n'ai pas jusqu'à le morgue. Après ça, ils ont parlé de ça, ça m'existe. La lédition que j'ai publiée là, elle a commencé à m'insulter aussi qu'elle est plus belle. Et, je dis que Adama Facebook, on peut faire ça. Non, moi, non, sincèrement, non. Les enfants, je vous dis que dans les faux profils là, tous ne sont pas. Ils font semblant, mais il y a trop de faux dedans. C'est vrai. C'est pour comprendre. Le jour là, vous m'avez insulté. Oh, la femme de la fille, je vais descendre, une de la mienne de bon, bon, bon. Je suis heureusement que ma fille Nicole aussi a dit que je ne descends pas. C'est parce qu'il y en a toujours qui vient avec les problèmes qu'elle connaît Flore particulièrement. Elle attend un petit truc pour venir s'accrocher. Elle connaît Flore Composition. Elle attend un petit truc pour venir verser. Et si vous n'avez pas les oreilles pour entendre, vous entrez dans le PL. Moi, sincèrement, moi, je suis Maman Perpé, sincèrement. Mais depuis la paix avec la Mafo, j'aime la Mafo. Ça, rien à dire. Et je suis très contente de voir ces deux femmes-là rayonnantes. Mm-hmm. Et moi, j'avais toujours dit, les deux femmes-là, tous ceux qui étaient dans la TKC, qui combattaient Mafo, sont tous partis et continuent toujours aujourd'hui à combattre la Mafo. Oui, et certains encore du côté de la Mafo, sont toujours là. Je ne vais pas prononcer le gars là qui insulte Maman Pépé. Tu vois, c'est des abeilles qui n'étaient pas contre qui étaient contre la paix, sont dans le direct du gars pour insulter Maman Pépé. On voit tout ce qui se passe. Tu vois, non? Mais moi, sincèrement, les anciens abeilles, on les connaît, les gens qui sont vraiment là pour Mafo. Ceux qui ont créé les nouveaux,
avec le visage de Marc aujourd'hui, là, moi, je dis seulement aux abeilles de faire attention. Mmh. Faites attention avec les nouveaux visages, parce qu'il y a beaucoup d'intrus aujourd'hui qui sont là pour aider la zizanie. Donc, sincèrement, si vous êtes fâché contre la sortie de Maman Perpé, si vous ne voulez même plus, au lieu de commenter quelque chose de mal, on ne vous dicte pas, hein. Non, 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 vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous partez du Seigneur. Voilà. C'est simple. Vous partez sans taper la belle parce qu'on ne vous a pas appelé. Oui. Justement, en fait, il faut aussi souvent savoir que ces histoires de paix ou de malade, de malentendus, de tout ça, ça c'est souvent selon le direct. Tu vas avoir même certaines personnes que la sortie de ma pépé les énerve aujourd'hui. Demain, quand ma pépé va venir faire un direct, ce sont elles qui vont soulever le direct là jusqu'à mettre. Mais, ils sont trop changeants. Mais quand je suis énervée, je prends mon calme. Je ne dis même pas un mot. Là, maman Miondo, c'est comme ça. Ma douleur, il y a une place. C'est ça. Je ne suis pas content. Mais tu vois que je fasse comment? Je laisse non que de venir baisser ma colère sur eux ici. Oui. C'est clair. Elles ne sont pas nos enfants, nous, nos petites soeurs. Ce sont des mamans. On doit les respecter. Nous sommes derrière nos téléphones, on commente. Wow, wow, wow. Maman, tu es fâché. Au lieu d'accumuler le péché en toi, mais tu zappes même cette femme-là pendant deux semaines, une semaine. Tu continues dans d'autres directs. C'est simple. Mais bon. Oui, justement. C'est un peu ça. C'est ça que moi, je disais que ne vous attardez pas le fait qu'elles sont en train de se chamailler de gauche à droite là-bas, que ouais, elles ne sont pas d'accord pour le direct de ma paix. Et même là, demain, vous allez les voir venir la soulever avec notre direct, mettre en haut là-bas jusqu'à donc. Hein. Quand vous insistez, plus vous insistez tout ça comme ça, plus aussi persistez, ça crée les... C'est vrai. Je veux passer maintenant à une petite partie de la de direct de la honte de monsieur Essomba. Pourquoi vous écoutez un peu? Bonjour à ma petite qui vient d'intervenir là, vraiment, je te donne le chapeau, tu as bien parlé. Franchement, tu as bien raisonné, quoi. Écoutez un peu le monsieur qui est venu laver une autre femme. Avant de venir en sens. Voilà. C'est comme ça que j'arrive en sens. Donc, je ne vais pas parler de ma fille. Donc, en 2000, moi, je vis à Niort. Niort, c'est mon village. Ma fille qui est décédée, ses femmes sont à Niort. Mes enfants sont à Niort. J'arrive à New York, j'ai toujours vécu à New York. Donc, moi, je suis à New York. J'ai une petite sœur à moi. Voilà. Bon, on l'appelle MC. Elle fait les soirées à New York, elle dit grand frère et tout, accompagne-moi, aide-moi, on va assister moi et tout, machin, tout ça. On devient inséparables. Elle et moi, on devient inséparables, tout le monde, voilà. Bon, les nouvelles femmes disaient qu'on sont ensemble, les autres disaient que non, franchement, grand frère, petite sœur et tout, mais c'est ma petite sœur. Tout le monde, ça, c'est comme ça. J'ai des petites sœurs comme ça, parce que moi, je tourne et tourne pas autour du sexe, voilà, contrairement à certaines personnes. Donc, elle si, fait les soirées ici, bon, après, elle me fait rencontrer un gars de Paris qu'on appelle Alex Tonnet, le barbare. Il commence à venir à New York. Dieu merci, hein. J'ai seulement appuyé par hasard et c'est tombé net là où il est en train de rencontrer comment il a rencontré Michel Essomba. Hein. Vous-même écoutez son propre ndemda, son propre caca qu'il est venu lui-même chier. J'ai seulement cliqué comme ça par hasard hein. Et c'est tombé net la partie où il est en train de rencontrer comment il a connu sa femme dans les soirées. Écoutez. On devient une famille. C'est là où Baba, c'était un foyer, il organisait des soirées à Paris à l'époque. Il organisait des soirées à Paris. Donc, il doit organiser sa soirée à Paris. Elle, si et moi, et une amie de l'époque, je ne vais pas citer son nom, voilà, une amie, une copine de l'époque. Et voilà, on part de New York, voilà, voilà, on venait de Nantes et tout, on se retrouve à Paris. On prend notre hôtel, on assiste à l'instant dans sa soirée et tout. Pendant la soirée, MC, elle était bien reposée avec un gars. Moi, je connaissais pas ce gars. Voilà, voilà. Bon, c'est le genre de parler, machin, tu. Donc, elle était en train de causer avec un gars. Voilà, et une fille qui est venue se mettre à côté et tout. C'était Michel Essomba. Le gars s'appelait Manfred Seke. Voilà. Et je demande à MC, que gars, c'est qui l'engagé à côté de toi avec qui tu poses là? Elle me dit, mais gars, ça c'est un gars de Paris là et tout, elle est dans les réseaux sociaux et tout, il s'appelle Michel Essomba. Ouais, elle était bien
habillée ce soir, elle avait un charme, mais voilà, elle avait un style, voilà, après elle est aussi... C'est qui? Qui est venu couper? Parlez, vous avez vous-même écouté comment il a rencontré sa femme dans les soirées de Paris. Une femme qui est avec ma frère, c'était dans les soirées de Paris. Vous venez dire que Michel montrait qu'il ne savait pas que c'est comme ça qu'elle était. Il pensait qu'elle avait, il a trouvé Maria. Après, il s'est trouvé avec Satan. Pardon, mais. Et alors, pourquoi il n'a pas parlé? On n'a pas suivi le voice ici hier. Avant son direct, on a suivi le voice ici, là où il pleurait là-bas en disant qu'il faut qu'elle pardonne, elle cesse. Il a trouvé Satan, il pleurait. Les mêmes gens comme les pétards là-bas en Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Je peux dire quelque chose. Bonsoir. Vous savez quoi? Moi, vraiment, il faut qu'on soit vrai et il faut qu'on dise les choses cash comme ça doit être. Moi, je veux donner mon point de vue. Et après, c'est la reine ma faute de retour. Moi, je veux donner mon point de vue. Et après, si c'est que ça ne va pas trop dans votre sens, vous pouvez zapper. Hein. Ce n'est pas, chacun donne son point de vue. Ce n'est pas avec, que ça va avec, trop. Avec beaucoup de respect. Oui, beaucoup de respect. Là, c'est sûr. Ne vous dérangez pas. J'étais en train de dire que quoi? Moi, le conseil que moi, je peux donner à ma pépé, c'est quoi? C'est que ma pépé, moi, sans te mentir, ton ami qui va passer, tu dis le chat de maman que tu viens de valer là. Non, c'est que je me sens pas trop bien. J'étais en train de dire que ton ami qui va chez ton ennemi où on t'insulte, on te lave tous les jours, n'est pas ton ami. Moi, je sais pas ce qu'on a en train de tourner sur la toile depuis. Je sais que j'ai pas écouté tout le direct de ma pépé aujourd'hui. Ma pépé, cette fille qu'on appelle Michel Essomba, moi je dis mes vérités, elle n'est pas ton ami. Elle pouvait faire la mère que son direct. Elle parle ce qu'elle va pas. Elle parle. Elle devait parler chez tes ennemis, ceux qui t'insultent tous les jours. En plus, chez qui encore? Je ne suis pas pute. Elle ne devait pas partir là-bas, t'insulter. Elle ne devait même, comment dire, te parler, bien parler de ce qu'elle voulait parler. Elle ne devait même pas passer là-bas. Surtout que c'est ce que tu traverses sur la toile depuis un certain temps. Je pense que c'est ton ami. Elle est censée se reconnaître ce que tu passes, tu traverses. Pour moi, c'est ça. Maintenant, ce que Michel Essomba et son ex font sur la toile là, on s'en fout. Nous, on connaît l'histoire de Michel Essomba. Michel Essomba, c'est une rococo des réseaux sociaux. C'est une rococo. Donc, quand on dit qu'elle a quand combien là, ajoutez 20 ans sur ça. Voilà. Donc on arrête un peu. Ma pépé, tu dois connaître ta place sur les réseaux sociaux. Celle-là n'est pas ton ami. Moi, c'est mon point de vue. Parce que il y a même les gens qui ont pris certains voix où on dit que certaines choses de ta vie, même c'est elle qui disait à Flore. Ma pépé, fais attention. C'est tout ce que moi, je peux dire. Je sais que ça sera une amitié. Que tu as vraiment aimé cette fille et tout. Je sais que tu as vraiment aimé. Mais fais très attention, fais gaffe. C'est tout ce que moi je peux dire. Voilà. Elle disait ça à Mafo, comment, quand, puisque à l'époque, elle ne parlait pas avec Mafo. Elle envoyait ça. Il y a certains. Écoutez-moi, les filles. Ce que le mari de Somba a dit là, son ex là, il n'a pas dit tout les mensonges. Il a dit que c'est une fille manipulée. Qu'est-ce qu'il a été à son école? Lui-même, il a dit ça. C'est vrai que le monsieur est venu raconter beaucoup de choses qu'il ne devait pas raconter. C'est un homme, il devait mettre sa dignité d'homme de côté avant de venir raconter certaines choses. Mais il a dit certaines choses que nous, on se rappelle même à l'époque, on savait qu'elle était déjà comme ça. C'est juste que la paix a fait, on a oublié. Tu comprends un peu? Mais on ne doit pas tout oublier quand même. Elle a duré dans les soulas. Je suis d'accord avec toi. C'est une soula depuis des siècles. Donc, on sait que elle n'était pas sur les réseaux sociaux, mais il y avait toujours les coups qu'elle faisait. Il y avait toujours les coups qu'elle faisait, après son nom sortait toujours derrière. S'il vous plaît, soyons lucides. Ma pépé doit comprendre que maintenant, si elle a une vie rangée, certains gens, elle doit me retirer de sa vie et mettre de côté pour sa paix à elle-même. Parce que aller maintenant dans le direct là-bas chez son ennemi, on fait le direct, elle se sent pas bien. Non! Si elle ne veut pas être dans les photos, elle ne veut pas être dans les photos ou bien dans les vidéos. Elle veut que non, ne me filmez pas. Point final. C'est quelle histoire de dépôt. Non, je ne suis pas là, comme ça. Non, aussi. Non, là, je ne suis pas d'accord avec vous.
Madame, je ne suis pas quand même d'accord avec vous. Vous ne pouvez pas. Je trouve que c'est même primitif. Tu te comportes un peu comme si tu étais primitif. Vous êtes dans un endroit, dans une association, en train de faire. On me fumait, tu dis que non, ne me fumez pas. Non, non, ça, je dis. Ça n'a pas de sens. Même voilà ce qu'on est en train d'utiliser pour nuire sa copine. Moi, j'avais pour te dire que si c'est elle qui est entrée dans la réunion avant et qu'on on est en train de vouloir mettre laisse copine, laisse épouse de ma pépé, elle allait dire que pour l'honneur de ma mère, je ne continue plus la réunion. Vous comprenez? Donc, si et c'est que c'est elle qui est venue prouver l'escouépouse de sa mère et entrer dans la réunion, c'est toujours le faux cop est dans les deux sens. Le faux cop, parce qu'elle ne va jamais dire qu'elle ne savait pas que la fille est dans la réunion, elle savait. Mais je demande à les filles, on explique comment après, le fait. Écoute-moi. Après aussi, moi aussi, je veux vous dire, nous, on prend les choses un peu trop. Quand je vais dire ça, on prend ça comme si, tu sais, vous savez, dans la vie, il y a aussi certaines choses que je vais dire, il n'y a pas eu quand même un mot d'homme entre elles. Mais moi, je me dis, elle pouvait bien assister à cette réunion, mais tout en prenant cette distance envers cette fille. Vous comprenez un peu? Ça ne veut pas dire qu'elle va finalement devoir carrément, parce que c'est une réunion, ce n'est pas une amitié. Mais c'était ce genre qu'elle n'est pas amie avec la fille, elle est dans une réunion avec elle, elle peut bien participer à la réunion sans être son amie, sans s'afficher avec elle, je veux dire, sans, comment dire, se coller. Vous comprenez, on peut bien faire l'association ensemble, mais j'ai mon idée. On peut soit dans une réunion ici, que nos réunions, quand on fait la réunion, il y a une personne avec qui on ne se parle pas, mais on fait la réunion ensemble, mais on s'assoit jamais pour vous coller. Tu mets toutes tes distances, elle est dans son coin, quand il y a un truc où tu sais qu'elle va passer, tu esquives. Ne parlons pas. Non. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Explique-moi le fait qu'elle n'est pas passée chercher cette clé de tracteur de ma pépé. On explique ça comment? Oui, là, peut-être, je me dis qu'elle n'a pas bien fait. Parce que là, même. Voilà mon problème avec ce TNSP. Elle n'a même plus parlé à ma pépé. Vous comprenez un peu, non? Moi, s'il y a eu un truc comme ça, et que je sais que les personnes là-bas, elle ne va pas me dire qu'elle n'est pas sur le net, elle est sur le net, elle voit tout ce qui se passe, que ces gens-là, ce monde-là, ils sont contre comme ça. Je comprends un peu, non? Et même si, parce que parfois aussi, tu peux aussi ne pas vouloir porter les problèmes de ton ami, de tous les problèmes de ton ami sur toi et faire les ennemis avec les gens, tu comprends un peu. Mais en allant là-bas, tu précises à ton ami que regarde, tu l'appelles, tu lui dis, écoute, ma copine, on m'a accusé dans tel endroit comme ça, comme ça, comme ça, et j'aimerais passer pour qu'elle soit prête. Vous comprenez un peu. Si elle avait fait ça comme ça, vous avez vu que Compression n'était pas fâchée dès le fait qu'elle était à la réunion parce que Compression dit qu'elle avait dit qu'elle partait à la réunion, qu'elle devait être à la réunion. Vous voyez un peu. Elle aurait pu toujours faire pareil à la passer dans le direct en lui disant que on a et voilà, je suis passée là-bas. Voilà, moi je crois que. Moi je donne mon point de vue. On va utiliser tous les moyens. Moi, je suis en train de dire à ma pépé que. Quelqu'un qui va chez mon ennemi, là-bas, et quoi que ce soit, même si on a parlé de moi et tout, c'est pas aujourd'hui qu'on parle de Michel et son masque sur les réseaux sociaux. Tu comprends un peu? Non. C'est pour aujourd'hui qu'elle va venir se défendre ou quoi que ce soit. C'est depuis des années qu'on parle de Michel et son masque. Je peux parler. Je peux parler. Je t'en connais, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à parler de Michel Soma sur les réseaux sociaux. Et Une vieille chouette de Facebook de temps pour voir comment ça se passe. C'est rare qu'elle vienne de se défendre ou quoi que ce soit. C'est très rare. C'est une fois depuis peut-être, depuis que m'a fait parler de Facebook là, depuis que les clashs ont commencé, c'est la première fois que Michel Soma passe dans un direct. Ok. Comme je t'ai on a parlé d'elle, elle voulait répondre. Elle m'a pépé, lance-moi le direct, je veux pas entendre pour répondre. Point final. Après tout, c'est ta mère. Tu ne peux pas juste être détracteur là-bas parler. Je ne peux pas là-bas. Je ne peux même pas accepter ça. Vous allez me dire quoi, vous êtes là. Parce que moi, ce qu'on peut. Ce monsieur raconte, il racontait beaucoup de choses. Mais il a dit qu'il a été à l'école de Michel Soma. Et on connaît comment Facebook fonctionne. On connaît comment ça fonctionne.
On arrête un peu. Moi, peut-être moi, elle doit couper le cordon entre cette fille-là et elle. Et qu'elle passe à autre chose. La reine Mafou. Je sais que moi, tu sais, nous qui sommes souvent derrière, hein, derrière les claviers, on prend les choses. Je vais dire, on prend les choses souvent. Un jar et tout. Essayons souvent un peu d'être moins impulsif et émotionnel. Vous comprenez un peu, non? Parce que ce n'est pas une histoire de mort d'homme. Demain, ma pépé peut se réconcilier avec ces filles-là aussi. Essayez de voir cette thèse-là. Rien n'est exclu. Rien n'est exclu. Même ma pipi là qui est là-bas, qui a le problème avec elle, peut se remettre demain. Si Michel est venu, c'est inclus dedans. Et a fait des trucs, elle se retrouvera comment? À un moment donné, il ne faut pas trop voir les choses comme ça. Moi, c'est que nous qui sommes derrière les claviers, on voit les choses comme si c'était un mort d'homme. Mais... N'oubliez pas, je peux vite parler là. Tu sais que je ne dis jamais, je suis pressée. Pardon, maman. Je vais te taper, pardon, parle. Non, je peux te taper. Ouais, ma tata Ndolé, Yondo. Bonne vie de semaine à vous. Ma tata, toi, hein. Bonjour, bonjour. Je c'est bon après-midi. Je suis habitué. Quand je dis vous me tapez. On tape sa tata. Non, 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 tu ne peux pas me dire ça, ma tata. Aïe. En réalité, les soeurs de Nicosi, dans la paix, tu sais que moi, pour moi, c'est tout sauf les insultes dans la paix, tu sais, maman. Non, mais vous m'insultez pas. Ah, il y a la femme de l'air qui m'énerve jusqu'à. C'est mon insulte. Non, j'ai jamais dit ça. Non, c'est pas moi. Là, c'est pas moi, maman. C'est je te recevoir, gros. Voilà, mon point de vue. En réalité, on dit ceci. Dans la vie, le meilleur joueur, c'est celui qui est dans les gradins, c'est ça, hein? C'est très facile de parler quand ça ne nous concerne pas. Il faut qu'on soit voilà. Juste. Ouais. On ne coupe pas une relation un matin. C'est faux. Soyons honnêtes. On ne se lève pas un matin, on coupe une relation des années. Elles ont eu des choses très fortes. Un lien fort, encore plus, c'est la marraine. On choisit pas marraine n'importe qui. Il faut qu'on soit juste. Pas se lever un matin pour une erreur, une petite. C'est vrai. Moi, je n'accepte pas. Et puis, il faut aussi reconnaître qu'elle est très ancienne, la dame Michel Essomba, dans cette affaire de Facebook et tous les clashs. Elle seule sait les motivations qui l'ont envoyée là-bas. Mais, toujours est-il que ce qu'elle a fait, elle sait comment est-ce qu'elle va rectifier ça. On ne peut que donner le point de vue, mais être catégorique au point de dire non, on coupe la relation. Non, 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 non. C'est pas comme ça. On vit pas comme ça. Ne me dites pas que, même avec vos amis, ne me dites pas que quand l'ami fait un truc, non, 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 non. Il ne faut pas demander. Et puis, on ne va pas dicter. Il ne faudrait pas qu'on dicte les gens. On les suit, on est fiers, on perd le temps, c'est vrai. Non, je ne parle pas de vous, madame. Non, je ne parle pas de vous. Je parle de la généralité, en fait. Les gens sont très catholiques. Mais je comprends aussi ceux qui se passent, ceux qui te soutiennent ont très mal qu'on t'insulte. Il faut aussi qu'on soit, clair là-dessus. Oui, les personnes qui aiment sincèrement Maman Pépé, de voir que, parce que ce jour, elles ont été très, très violentes aussi dans ce direct-là, hein, à insulter violemment et que. Le point, c'est qu'on insulte Maman Pépé, elle ne dit rien. Et son bas n'est pas recadré ces femmes. Parce qu'en réalité, quand tu arrives, si c'est ta personne, comme on le dit. Eh bien que non, je suis là, je respecter Maman Pépé. Je leur dis voilà. Ma pépé, point voilà. Final. Elle ne dit rien, elle reste tranquille. Elle est en train de rire, mais arrêtez les filles, s'il vous plaît. Mais je constate, c'est qu'en fait, moi, je vais interpeller tous ceux qui suivent ces femmes. Il faut savoir, ne mettez pas les organes. Toutes ces femmes se connaissent. Organes. Elles ont les mêmes fréquentations. J'ai quand même, elles ont les mêmes fréquentations, les amis. Je ne sais pas vous si vous comprenez un peu cette histoire. Elles ont les amis en commun, elles ont les mêmes fréquentations. Ça veut dire que, en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut surtout pas mettre les organes. Prenez ça pour une distraction. Parce qu'en réalité, tu ne vas pas porter, avoir autant mal pour quelqu'un que... Je comprends les femmes qui suivent ma pépé. C'est vrai, ça fait mal. Ça fait très mal. Mais vous comprenez qu'en fait, en dehors de Facebook, il y a une vie. Elle ne doit pas se lever le matin comme ça parce que c'est vrai. Il faut aussi comprendre qu'il y a des choses que ces femmes font. C'est pour nous faire plaisir à nous. Nous qui les suivons. Il y a des situations qu'elles peuvent même prendre légèrement, mais pour peu qu'elles elles sont suivies, elles ont des femmes. Vous comprenez? Elles sont
font des sorties. Vous croyez que si ce n'était pas parce que Maman Pépé a des gens, parce qu'elle se doit de donner des explications aux gens qui la suivent, aux gens qui l'admirent, aux gens qui ont de la compassion pour elle. Sortie, fait une sortie. Allô? Je parle. Je suis. Allô? On t'écoute très bien. Allô? Parle, on t'écoute. C'est le virus qui parle. Tu me suis. Qui oui, parle? C'est Eluriche. Bah, on te suit, non? On te suit. Voilà. Bon, quelqu'un d'autre qui vient d'entrer là, parle. C'était son micro a un problème. J'étais en train de dire que si je vais parler. Elle est arrivée. Elle veut boire la cadi bière. Ma pépé, on te écoute, sois la bienvenue. Merci. Mais vous me rendez déjà aussi, le pape devient déjà comme si c'est... Mais vous me rendez déjà presque ridicule aussi. Il fait déjà aussi comme ma fille Michel et son baguette, pas déjà dans les tirets me justifier. C'est pas quoi c'est. Boire la cadi. Merci Longo, j'ai vu. J'ai pu, viens de prendre une despèce, ça me fait me mal à la tête. J'ai bu une despèce, je n'ai pas encore marié depuis le matin. À cause de toute cette histoire-ci, ça me fatigue. La patronne ne se justifie pas. Il faut quand même, tu sais, il y a des gens qui passent les nuits blanches pour moi, que je ne connais même pas, que je n'ai jamais vu leur visage. C'est logique, c'est normal qu'ils s'énervent. Hein? Moi, j'étais énervée, j'étais très énervée. Quand j'ai vu, je dormais, hein? C'est mon gars qui m'a réveillé que viens un peu écouter ici là. J'ai dit il y a quoi encore. Il me dit que voilà une directe qu'on vient de m'envoyer. J'ai dit qu'il y a quoi. Toi-même tu fais quoi avec les choses. Dis aux gens qui t'envoient les choses, je ne peux plus t'envoyer ça. C'est comme ça que j'écoute. Comment est-ce que ma fille est dans le direct, on m'insulte. T'as dit et on l'encercle même elle-même. Tu vois un peu. Elle-même elle était encerclée aussi. Oui, il a elle ne connaît pas. Voilà. Elle ne connaît pas les stratèges de ces personnes. Mmh. Elle a beau être sur les réseaux sociaux, Michel veut souvent faire comme si elle connaît trop, mais elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas. Il y a des choses que c'est moi qui lui disais souvent que fais comme ça, ne fais pas ça. Elle ne connaît pas parce qu'elle m'a appelé pour me dire qu'elle veut faire un direct. Je lui ai dit non, tu ne peux pas faire des directs. Même quand l'autre jour encore, il y a eu un problème quand son gars a commencé à faire les posts sur elle. Elle m'a appelé que si je ne fais pas, Si je ne fais pas le direct, elle va faire le direct. Je lui ai dit, non, tu ne fais pas de direct. Elle m'a appelé. Chaque fois qu'elle veut faire une sortie, elle me demande. Mais là, la sortie qu'elle a faite chez les Ténébreux, c'est sa sœur qui lui dit qu'on est en train de t'accuser là-bas. Il faut que tu ailles te justifier. Donc, elle venait se justifier, en fait. Et c'est comme ça que ça a tourné, comme ça a tourné. Ce n'est pas que je prends ça. Je suis très remontée du fait qu'elle soit partie là-bas. Très remontée et très énervée même. Mais on s'était expliqué. Ce n'est pas tout qu'on va venir s'expliquer devant les réseaux sociaux. Je partage. J'ai un enfant que elle est quand même. On était à l'église, elle a juré devant Dieu et les hommes qu'elle est la mère de Noé. Est-ce que ça veut dire ce que ça veut dire même? Justement. Ma mère m'a appelée, me dit que qu'est-ce qu'elle entend? Elle ne veut pas entendre que je fais les problèmes avec elle. J'ai pas de problème avec. Je ne peux pas faire les problèmes avec elle. Les autres là, je n'ai rien partagé avec eux. Je ne partage. Je ne partage rien avec eux. Les deux autres, je ne partage rien avec eux, mais avec elle. Je lui ai donné un enfant. Que les gens soient souvent un peu. Après, on va dire que ingrate. Je ne suis pas ingrate. Je montre au monde que dans la vie, la relation humaine est souvent très compliquée. Je ne peux pas voir où on est en train de cracher sur Michel, je laisse jamais. Mais je vois la donne en train de mettre le couteau dans le ventre de Ngombongo Indi. J'ajoute aussi pour moi. Ça, je le dis à qui veut l'entendre. Je suis comme ça. Jusqu'au jour que Michel va me mettre dans la tombe, je vais dire que oui, là maintenant, alors elle m'a vraiment mis dans la tombe. Il n'y a pas eu mort d'homme. Elle a mal fait. Elle a mal fait d'aller passer là-bas. Oui, tout le monde est remonté pour ça. Oui, mais on s'est expliqué. On s'est expliqué, on a discuté, on a parlé. Maintenant, je ne peux pas contrôler les humeurs de tout le monde. Et voilà. En même temps, on ne peut pas aussi me dicter ce que je dois faire. Je ne suis pas une enfant, j'ai quand même 42 ans. On ne peut pas me dire que non, si tu parles encore avec Michel, on se déconnecte de ta page. Si tu... Non. Ça. Hey, là, c'est déjà le chantage, ça. Là, ça va déjà au chantage. Non, mais c'est pas ça. Bon. Là, ça va déjà au chantage. Et je suis, si vous connaissez un peu la mentalité des filles bassa, je suis très têtue.
Je suis tellement têtu que quand on me dit ça, c'est là, alors que moi, je vous montre le contraire. Je n'aime pas le chantage. Je déteste ça. Michel ne m'a tué personne. Elle n'a tué personne dans mon entourage. Libre à moi maintenant, si je veux entrer dans le trou, j'entre dans mon trou. C'est tout. Mais, j'ai tiré ses oreilles. On s'est expliqué en grande fille. Elle regrette du fait qu'elle est partie passer là-bas. Parce qu'après, elle-même, elle a vu qu'elle était déjà ridicule. Ce ne sont pas ses amis. Elle les a bloquées toutes. Justement. Si elles veulent maintenant, elles partent encore la clasher. Elle ne va plus aller se justifier là-bas. Okay. Justement, ma pépère, c'est ce que moi je disais ici là tout à l'heure, que les gens, nous qui sommes derrière les claviers, on a trop de l'émotion, on est impulsif, on se dit, ils ne savent pas la réalité, c'est quoi. Ben quand oui. Comme on dit, quand tu as une amie, quand tu as une amie qui t'a fait mal, j'ai appelé Flo. Est-ce que c'est facile? J'ai appelé Flo, j'ai dit à Flo, qu'est-ce que tu en penses? La Flo m'a dit que non. Elle a très mal fait. Comme moi, non, on était fâchés, Flo et moi. Mais on a dit qu'on ne peut pas la laisser tomber pour rien au monde, jusqu'à la terre finie. Oui, on ne la laisse pas. Ce que tu as justement donné, ce que j'attendais. Au moment que vous êtes devenus trop sages, vous deux là. Est-ce que vous savez que la troisième personne avec qui ils étaient, qui parlait dans le direct des ténébreux là-bas pour dire que, oh, la troisième personne, elle a fait les posts pour dire que, oh, tu as pris mon gars, alors moi aussi, je prends celle qui te donne tout. Parce que c'est Michel qui paye ma maison ici là, c'est elle qui me paye à manger ici là. Donc elle prend. Regardez-moi les choses comme ça là. Non. Donc, non, moi, j'ai prémédité. Vous comprenez maintenant que c'était prémédité. Voilà. Cette vidéo-là, c'était prémédité. Parce que quand elle a fait ça, ce n'est pas Michel qui a filmé. C'est ce que je veux que vous compreniez. Michel, regardez bien cette vidéo, analysez bien cette vidéo. Mm-hmm. Michel, elle-même a été piégée. Ça se voit. Elle-même, elle a été piégée dans la vidéo. Elle ne savait pas comment retourner en arrière. Voilà. Non, mais attendez, ma pépère. Ce qui nous énerve, c'est le fait qu'elle soit allée chez les ténébreux là-bas. Là, elle a fait. Là, je lui ai en fait, tiré mes oreilles pour ça. Je ne peux pas faire comme si je n'ai pas vu. Comme si ça ne m'a pas choqué. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué, le fait qu'elle soit passée là-bas. Ma pépère. Les gens qui disent même d'abord que qui trouvent le fait que Michel était là-bas et qu'on était en train de faire la vidéo, elle devait dire que non. Moi, je trouve que ça c'est primitif, ça. Que tu te retrouves quelque part avec des gens et tu on a fait une vidéo, les gens sont en train de jubiler, que tu dis non, ne me finis pas. C'est toi qui deviens encore même ridicule là-bas. Et donc, elle doit seulement prendre. Elle peut bien faire la réunion avec moi, je vois aucun problème. Mais prendre ses distances, elle n'est pas obligée d'être avec elle. Oui, le problème. Il ne faut pas que les gens poussent comme ça. Elle a tué quelqu'un. Mais elle, c'est parce qu'elle a, que la fille, elle est pouvoir avec toi, que comme elle est ton amie, même qu'elle se retire. Sinon, est-ce que la fille a fait quoi de mal? Déjà, il ne faut pas trop faire comme la personne qui. Moi, je vais dire, Aura, la personne qui peut se méfier, c'est ma voisine. Exact. C'est ma voisine, la gangrène, là. C'est elle. Puisqu'elle sait bien qu'elle connaît les relations que j'ai avec Michel. Tu as compris comme moi. Vous avez compris maintenant. Là, c'est Michel, on utilise même Michel dans l'histoire. On l'utilise. Tu as dit que ce n'est pas ton ami, non? Donc, tu savais qu'il n'y a pas de lien entre vous. Et moi, donc, non, ne se préoccupe même pas parce que ce n'est pas ton ami. Point final. Les gens sont en train de se prendre la tête. Je ne sais pas pourquoi ils se prennent la tête. Mais c'est Michel quand même la marraine de son Michel, enfant. Hein, et c'est Michel peut parler, Michel peut parler avec qui elle veut. Hein? Elle sait que quand elle est avec moi, elle ne doit pas être avec ces personnes-là, c'est tout. Quand elle est avec eux, est-ce que je suis avec eux? On a notre relation à nous. On a notre relation comme entre deux mères et filles. Si je ne voulais pas cette relation, je n'allais pas leur présenter toutes ces personnes-là. C'est moi qui l'ai pu leur présenter. Maintenant, je te coupe pas. C'est comme si demain, elle va te voir en train de marcher, aller monter, descendre avec le monsieur qui est venu hier nous montrer son show. Voilà. Hein? Est-ce qu'elle va aimer? On dit dans la vie, quand tu es reconnaissante, je te jure, même tes affaires avancent. Il faut être reconnaissante dans la vie. Il ne faut pas faire au premier truc, comme cela m'a trahi, là, que au premier venu. Comme je me suis réconcilié avec Flore, bam, j'ai commencé à voir les ennemis de partout. Ceux qui étaient avec moi ont commencé à être ennemis avec moi. Non, ce n'est pas comme ça.
Voilà, aujourd'hui, moi voici ça effleure. On peut pas faire, elle peut pas faire quelque chose sans me dire. Je peux pas faire quelque chose sans lui dire. Maintenant, c'est que, bam, dès qu'il y a un truc, je l'appelle, je dis que Kota, on fait comment? Elle me dit Kota, tu sais. Voilà, c'est comme ça. Bon. Ici, c'est bon. Ici, ce n'est pas bon. Est-ce qu'on pouvait savoir ça un jour? Qu'on pouvait être comme ça? Non. Je n'ai pas entré dans les trucs de la manipulation. Non, non, je n'entre pas dans ça. Je dis, la sortie du monsieur hier m'a trop énervé. Est-ce que je suis sortie depuis? Non, c'est parce qu'il est sorti. Et comme je connais leur relation, je connais, j'ai été avec elle en vidéo, elle m'a fait dormir. Elle nous a fait dormir à plus de 2h du matin, 3h du matin, parce qu'elle est dans la voiture en train de dormir. Je connais l'élément. Ce matin, elle a appelé le bailleur. Le bailleur a parlé jusqu'à ce que j'ai enregistré. Il dit que la fille l'a laissé dans les dettes. Je dirais qu'il aime encore ta fille. Mais il pleure. J'ai les voix, non. Il pleure. Il dit qu'il. Mais vous savez, Michel, c'est une femme, c'est une fille. C'est-à-dire, elle était dans une engrenage. C'est pour ça qu'il a dit qu'il faut qu'on bomboko aussi, qu'on fasse tout, que son gars la parte au pays. Vous allez voir comment est-ce qu'il va retourner le dos à la fille là, quand il va revenir. On avait la fille était devenue bouddhiste. Ok. Il avait déjà mis la fille. Elle était devenue grosse. Elle était seulement dans la maison. Elle était un jar. Vous avez encore vu Michel Somba depuis que c'était marié, le gars a parti la soirée. C'était fini. Il avait tout arrêté, tout. Il avait tourné tous ses téléphones. C'était sa vraie proie. Mon Dieu. Il me dit. Elle m'appelle dans les toilettes. Elle est en train de me dire que maman, comment ça va là-bas? J'espère que tu es à l'aise. Tu n'as pas de problème. Bam, il est devant la porte des toilettes. Ah. Je te jure sur la tête de ma mère. Il est devant. Elle est en train de faire semblant de faire les selles. Il est devant la porte des toilettes. Okay. Vous croyez que je parle de quelque chose que je ne connais pas? Il y a des moments, le piéger même. Elle lance même l'appel vidéo comme ça. Elle me fait seulement que maman. Elle fait comme si elle invente que bon, je vais un peu aller marcher un peu pour me détendre. Le gars dit que je t'accompagne. Aïe. C'est grave. C'est dur le mariage. On a une conversation qu'on doit avoir entre filles, mère et fille. Elle me dit, bon, ce que je vais faire semblant d'aller acheter le pain. Et puis je vais t'appeler. Maman, elle est en bas. Elle m'appelle en vidéo que regarde qui est en train de venir là-bas là. Je dis que merde. C'est quelle vie ça non, ma fille? C'est quoi ça est? C'est la vie que tu as choisie. C'est la vie. En fait, je vais dire que c'était un narcissique, quoi, oui. Ben oui. Il voulait bien la bouffer, quoi. Il l'amenait partout. Ah, c'est ça. J'ai dit que les gens qui sont en train de m'insulter, là, aujourd'hui, là, qui m'insultent, là, ils ne savent pas ce que moi j'ai vécu avec le couple, là. C'est pour ça que vous me voyez faire cette sortie-là. Je connais. Et quand il commence à bavader, c'est-à-dire s'il attrape, peut-être qu'elle a envoyé quelque chose à quelqu'un, il attrape. Hey! Tu connais la qualité que tu commences, tu t'expliques, et puis tu crois que c'est passé. Il va parler de ça pendant 2 jours. Il bavade. Jusqu'à ce que le jour, il a bavadé comme si une fois, elle était obligée de sortir par la fenêtre. Oui. C'est là qu'elle s'était cassée le pied. Oui! Oh. Mais il peut aussi aller vendre son couteau là-bas pour ça. Vous ne savez pas ce que la fille a subi, hein? Elle a subi, hein? C'est que nous lui avons dit que viens à Rouen, viens un peu te détendre. Le gars ne lâche pas. Le gars ne la lâche pas. Il partait dire à ses amis que, gars, ma femme travaille les 5000 euros par mois. Il se moquait de ses amis avec ça. Que sa femme fait les 5000 euros par mois. Tu te rends compte? L'enfant de quelqu'un. Ma pépé, mais il faut aussi que. On soit aussi honnête que ta fille aussi donne trop du travail. Il faut aussi savoir, ma pépé. Elle donne trop du travail, comment de mieux. Elle donne le travail parce que tu ne peux pas être en train de la défendre comme ça et elle continue à nous donner le travail. C'est vraiment, ma pépé. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Parce que Michel, ma pépé, Michel est dans tous les sous-marins. Bon, moi, j'ai commencé à la voir aller dans tous les directs. Hein? Je vous dis que vous allez tuer quelqu'un un jour à Facebook. Moi, parce que je sors du sommeil, je suis rentré à 7h. J'avais la boîte de nuit. Ouais, assis. Maman, précise, quand tu fais tes gombos là-bas, tu m'as fait l'autre jour, j'avais la salive dans la bouche. Maman, est-ce qu'il y a quoi? Donne seulement le temps. Je partage, j'avais la salive dans la bouche. Mon petit. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Vous savez,
à toutes les sens. Moi, je ne peux, peut-être je ne parlerai pas dans votre sens parce que tout ce que les gens vivent à Facebook là, j'ai vécu ça en miniature. Donc, je suis un peu comme une pierre dans l'eau. Sachez que c'est très facile. Sachez que c'est très facile de donner les conseils. C'est très facile de faire des propositions. Mais à the end of the day, chacun est conscient, chacun est personnel, chacun est unique en son genre. Quand je vois le problème de Maman Pépé, beaucoup de gens, quand ils veulent parler, ils parlent, il faut qu'elle aille travailler, il faut qu'elle fasse ceci, il faut qu'elle fasse cela. C'est bien beau. Mais la maladie qu'elle vient d'être opérée, là, j'ai perdu ma c'est le premier deuil quand je suis entrée dans ma belle famille, qui m'a accueillie, qui nous a fait mal. C'était ma belle tante qui souffrait de la maladie de ma pépé là. Quand vous avez cette maladie, je ne suis pas en train de la supporter. Et ne me jugez pas, je donne un point de vue. On n'est pas obligé de parler de la même façon. Parce que chacun parle selon son âge, selon ses vécus, selon ses expériences. Ma belle tante là, tout ce qu'elle pouvait faire, c'est de faire un effort, se mettre un peu sur son lit et manger. On a tout fait. Salut. Ça dit qu'elle saignait comme... Quand vous perdez déjà trop de sang déjà dans votre vie, parce que le sang, c'est ça qui... Ça dit que c'est ça qui fait votre énergie. Ce que ma pépé a vécu, beaucoup de gens m'ont dit, oui, est-ce qu'elle est la seule, tout ça là. Ça ne vous donne même pas envie de sortir de votre lit. Vous êtes fatigué 24 hours. Parce que ça puse 80% de votre énergie, cette maladie. Vous n'avez envie de rien. Et c'est entre la vie et la mort. Parce que ma belle tante ne s'est pas en sortie. Je vous dis, même manger, elle n'arrivait pas souvent. Elle ne faisait que maigrir. Tout ce que je peux lui dire, elle dit seulement, je suis fatiguée. Quelqu'un peut aller travailler avec la fatigue. C'est maintenant. Si maman Pépé veut faire quelque chose de sa vie, après cette opération, si elle veut, je dis bien, si elle veut, elle peut avoir le courage de sortir. Parce que quand vous avez cette maladie, même si vous partez à un bureau, vous ne pouvez pas résister une heure de temps debout. Vous essayez de faire semblant pour que les gens voient que tout va bien. Quand je vois les gens insulter ma pampers, ma ceci, c'est rigolo. Faisons beaucoup attention dans la vie parce qu'on ne saura comment on peut finir. Toute femme a pédé a souvent un peu avoir de la jugeote avant d'insulter sa soeur femme. La maladie, on ne la demande pas. Ça peut arriver à n'importe. Vous pouvez être en santé aujourd'hui et vous allez faire un contrôle. On vous dit que dans une semaine, ce serait très grave sur vous. Et si on commence à vous donner... Et vous vivez d'abord avec la peur dans vous que je peux partir. Qu'est-ce qui va vous donner le courage de sortir, même aller chercher votre plan? Moi, je suis restée là, il y a 16 heures. C'est difficile. Donc, c'est pour vous dire que... Il est 16h27. Oui. Son amitié avec Michel et Samba, c'est même une honte, c'est même une peine, c'est des larmes. Quand aujourd'hui, on voit qu'elles peuvent se déchirer. Parce que la vraie amitié, c'est comme un mariage. Mmh. On a vécu ça ici à Facebook avec notre reine-mère. Quand elle était avec des gens, même des mains avec son expert, vous avez vu comme c'était amer. On ne se lève pas le matin pour dire on ne veut plus des gens. Ouais. Mais si ça arrive, vous supportez malgré vous. Si je te coupe pas, mais même ma poula a souffert de... Elle souffre encore même de la séparation. C'est là. Ça qu'il s'agit. C'est pas facile. Il faut qu'elle coupe le pont. Nous tous, dans votre vie, nous avons eu des amitiés. Voici notre sœur. Et elle nous lâche. Quand ça vous lâche à l'instant, là, les gens parlent, mais vous êtes dans votre chambre, vous avez honte. Vous vous demandez, vous vous posez toutes les questions du monde. Votre cœur peut même s'arrêter. Mais comme les gens sont inconscients, les gens sont ingrats, les gens sont ce qu'ils sont, le monde est ainsi fait, vous acceptez malgré vous. Dans le cas de ma pépé et sa fille, vraiment, je ne veux pas que les gens spéculent beaucoup, les deux décideront et l'avenir décidera. Je dis ici à ma pépé que malgré tous les efforts que tu feras, c'est à ta fille de comprendre. Et ce qui arrivera, arrivera. Ne mets pas trop les organes. Si ta fille sait qu'elle est ta fille, elle repoussera chemin. Parce que nous accouchons les enfants. Ne donnons pas des conseils que nous pouvons. Même l'enfant que tu as accouché souvent te répond mal. Tu as envie de prendre son acte et déchirer. Mais tu penses un seul instant que c'est quand même ma fille. Et tu sais ton cœur. Après, elle revient avec un peu de sagesse et elle change de position. Dans le cas de ma pépé, j'ai dit ici,
ne la jugeons pas trop. Elle a quand même été trop dans la vie de ma pépé. Ma pépé a été trop dans sa vie. Ce n'est pas une histoire de séparation de deux jours. Même si elles doivent se séparer, c'est à petit feu. S'il arrive, parce que quand vous êtes en amitié, il y a des gens qui vous entourent. Que quand on voit que ça va mal, on vous appelle, mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire là? Vous nous foutez la honte, c'est quoi? Et c'est ces gens-là, si vous les respectez, qui vont vous considérer. Comme ma pépé a parlé de sa maman. Ne croyez pas qu'elle peut désobéir à sa maman parce qu'elle a des photos sur Facebook. Non, c'est quand même sa maman. Si sa maman l'appelle, que j'entends quoi là? Arrête-moi ça très vite. C'est quand même ça, un moment, elle va arrêter. Ne dites pas que le ventre a fait que... Le ventre a fait que Michel et son mari ne peuvent pas payer la location de ma pépé toute la vie. Même si elle lui donne, c'est ce qu'on appelle un ajout. Personne ne peut s'occuper de vous, de la tête jusqu'au pied. Il y a toujours vos petits efforts. Elle vend quand même ses petits produits de beauté. Et même quand l'amitié atteint un niveau, quand on se sépare, on se tait. Parce que ça fait honte de raconter. Vous avez visité une situation peut-être qu'il y a entre eux. Ma pépé n'a jamais parlé ça jusqu'au jour où la vidéo a circulé. Parce que c'est une grande personne. On a honte souvent de dire c'est fini. Vous êtes en ami, vous dansez, vous vous vantez, vous naguez les gens. Et puis un matin, bim, ça s'arrête. Vous croyez que c'est facile de venir parler à Facebook? C'est facile, c'est pas facile d'accepter ce genre de séparation. On accepte, on dit ça ne fait rien, mais ça fait quelque chose. C'est ce que j'appelais aux gens de mettre un peu de l'eau dans le vent. C'est une situation quand vous ne la vivez pas, vous ne connaissez pas. J'ai eu mal à un moment donné avec des amis que j'ai rencontrés en Europe. C'est-à-dire que je dormais, je tremblais sur le lit. Mais aujourd'hui, j'ai compris, c'est un pied dedans, un pied dehors. À toi, ma pépé, je vais te dire, il faut que tu modères, pas changer, tu modères. Tu comprends que les gens sont ingrats. Si tu te donnais à 80%, on ne se donne jamais à 100%. Tu te donnes à 80%, commence à te donner à 60%. Donc, tu freines, tu ralentis doucement. Parce que si tu freines brusquement, tu vas te cogner la tête. Tu mets seulement un tic. C'est-à-dire, tu mets seulement une marque de que oui, c'est leçon de vie. Tu as été déjà blessé plusieurs fois comme notre reine mère. Et j'ai dit aux gens qui ne font que revenir que l'amitié a fait que ma faux et ma pépé ont vécu et souffert de leurs échanges. Aujourd'hui, si on dit la paix, pardon, venons toujours mettre l'arbre de paix. Ne bagarre. C'est-à-dire que ne travaillons jamais pour les séparer, sauf si les deux adultes veulent. Et donne-les dans cette paix, pardon. Quand il y a n'importe quoi, que ce soit dans le camp de ma faux, le camp de ma pépé, ne mettez pas les organes. Parce que je vois les gens se chamailler entre elles-là. C'est deux adultes, vous ne pouvez rien. Même dans une maison, il y a un enfant qui s'élève et dit que je ne veux rien faire de ma vie. Et toi, le parent, tu ne fais rien. Les autres enfants sont là, ils travaillent, mais lui, il dit qu'il ne fait rien. Mais tu ne peux pas le jeter, tu mets toujours dans le panier. Mais tu fais seulement attention à lui. C'est ce que je voulais vous dire. Que il ne faut pas que nos deux teams se séparent parce que, oui, ma pépé, ma... Non, accompagnons-les dans leur paix. Et venez beaucoup plus à Facebook. Pour la paix, ne venez plus trop pour la haine. Parce que même quand vous êtes haineux, votre vie est entourée de mauvaises ondes. Ce n'est pas même seulement pour les autres. Même ce que vous faites dans votre vie ne donne pas. Vous ne pouvez pas être en train de prôner la haine et attendre la paix, d'ailleurs, non. Ça marche toujours ensemble, les ténèbres et la haine et tout ça. Là. Quand vous creusez votre sexe, c'est vous votre propre bonheur. Avant de demander la bénédiction du Seigneur, vous allez bénir votre propre vie. C'est-à-dire poser des actes posés. Ne voyez pas tous les gens, vous voulez séparer, vous voulez créer le désordre, vous voulez faire. Non. Quand vous faites comme ça, quand vous rentrez le soir, ces mauvaises ondes vous suivent, ça sur vous. Si vous avez un projet, ça tourne au sur vinaigre. Parce que vous êtes en train de prôner la haine là-bas, vous ne pouvez pas recevoir le salut. Donc je suis en train de dire pardon. Laissez ma pépé résoudre ce problème comme elle veut résoudre avec sa fille. Si sa fille est venue dire, maman, je m'excuse, elle ne peut pas lui dire, fous-moi le camp, tu allais parler. Qu'est-ce que vous attendez de l'autre camp? Même notre camp, on attend que des balles venant de dedans, c'est vice-versa. Quand il y a une balle, on ne néglige pas. La guerre, c'est la stratégie. Facebook, de nos jours, c'est la stratégie. Les combats ne sont plus vraiment rudes, comme j'ai entendu quelqu'un dire, il n'y a plus de combat. Vous croyez que les gens n'ont pas à faire? Les gens ne peuvent plus prendre la caméra comme avant. Il y avait d'abord le chômage. Et les gens étaient mineurs. Il y a des filles qui sont passées de là, qui sont des mamans des fois. Aujourd'hui, tu ne peux pas laisser les enfants te pleurer que tu viens faire un direct. Mais si tu as ton mot à ajouter, comme je suis en train d'ajouter là, je vais le faire. Si tu as ta pied à porter à l'édifice, ça ne peut plus être comme avant. Parce que qu'est-ce qu'on veut? On ne veut plus ce genre de choses.
On veut que s'il y a un divin socor, tout le monde vient baisser son venin et puis on passe à autre chose. Ce n'est plus le genre des reines qu'on dit qu'il faut que telle meure. Mais non, les choses ont changé. Le COVID nous a fait comprendre qu'à n'importe quel moment, la vie peut basculer. Donc, je suis en train de dire, présente que pardon, ce problème de ma pépé et sa fille adoptive, qui est Michel Essumba, mettons un peu le rideau dessus. Qu'elle fasse comme elle veut. C'est sa fille. Nous ne pouvons pas lui dire que ne parle plus avec Michel Essumba, non. Michel Essumba aussi, à un moment donné, a fait des choses, des grandes choses dans sa vie et continue à faire. Elle ne peut pas la balancer d'un revers de main. Non. Mais ça, à Michel Essumba, je veux aussi lui dire de comprendre qu'il y a des concessions qu'on ne met pas les pieds. Quand tu sais que ta main ne s'entend pas avec le voisin, tu peux rester à la porte même s'il y a bagarre là-bas. Tu ne peux pas entrer. Je te condamne aussi un peu, mais le linge, ça se lave en famille. J'espère que tu ne dois pas récidiver. Parce que tu as donné une partie de la chicotte pour qu'on fouette ta mère avec, qui est ma pépé. Mais ce n'est pas, c'est pas peine perdue. Rebrousse vite chemin, ma chérie. On vous a trop vu. Pour qu'aujourd'hui, vous vous mettez en spectacle. Si tu te mets en spectacle avec ma pépé, c'est-à-dire faire le direct, tu fais le direct, vraiment, ce serait une honte. Quand tu as dit à ceux qui disent que oui, elle va prendre à marcher, cette personne ne marche, c'est même le serpent à ses amis en brousse. Ça ne va pas, tu te poses, tu continues. Il y a de bonnes personnes partout, il y a de mauvaises personnes partout. Personne ne peut marcher seul, comme vous dites. Nous tous là, on a toujours une petite personne à qui on peut dire bonjour tous les jours. Ça ne va pas, tu te poses, Dieu va te donner encore l'autre là-devant. Tu vas marcher seul, que tu vas faire comment? Donc tu vas te lever le matin, tu marches seul. Même au lieu de service, tu es seul. Il y a des bonnes personnes. Et je vous dis, les bonnes personnes sont quelque part aussi qui vous attendent. Vraiment, bonne journée, c'est ce que je voulais vous dire. Que merci. La vie est ainsi faite. Portez-vous bien. Je vais sortir, merci. Je dirais, parce que je vais au travail. Merci, bonne journée. Oui. Vous voyez, non, justement, c'est ce que je peux pas la parole. C'est ce que je disais là tout à l'heure, que ne mettons pas trop nos organes et que nous qui sommes derrière les claviers ou les caméras, on se dit que on voit ça comme si, je sais pas quoi. Pourtant, si c'est nous-mêmes, on peut pas se comporter comme ça. Tu te lèves pas un matin pour dire à une personne que non, c'est fini l'amitié comme ça. Non. Ou bien que c'est, en plus, j'ai dit, c'est même pas seulement l'amitié, mais c'est la marraine de son enfant. Vous voulez dire qu'elle doit couper les ponts avec la marraine de son enfant? Elle peut juste prendre des distances. Et elle doit se justifier avec elle. Elle s'est justifiée avec elle. Elle lui a dit, elle peut maintenant savoir comment, tu vois, un peu la cerner, mais pas dire que couper les ponts, vous venez la clasher et tout. Non, 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 non. Moi, je suis pas d'accord pour ça. Ça, c'est, il faut, à un moment donné, il faut parfois aussi s'infliger. Je suis trop de haine, trop de haine. On va arriver où avec tout ça. Et du fait que aussi, et vous savez quoi? Ça ne pourra jamais se faire dans la vie que peut-être, prenons peut-être le cas de ma pépé là maintenant avec Michel, n'est-ce pas? Que, tous les gens qui vont marcher avec Michel ou bien qui vont aborder Michel seraient certainement en accord avec ma pépé. Il y aura toujours des gens qui ne s'entendent pas avec ma pépé, qui seront avec Michel. Donc, elle va faire comment? Elle va régner tout le monde. Et qu'est-ce que tu ne dis pas bonjour à ma pépé? Elle dit non, pareillement pour ma pépé. Elle ne peut pas aussi régner tout le monde qui est autour d'elle, qui ne parle pas avec Michel. Elle peut juste savoir faire la part de choses. On va continuer le direct avec toutes ces paroles-là. Le direct a trop duré, ça fait 2 heures, presque 2h20. Vraiment, merci. Et ce que maman Prestige a dit et notre sœur en train de dire, on va clôturer le direct avec ça. D'accord, maman. Et, bonsoir, ma fille. Bonsoir. Bonsoir. Bisous. On va clôturer. Merci beaucoup pour ta participation. Je pense qu'on va clôturer le direct avec. Je ne vais plus rien rajouter. Maman Prestige a tout dit et je pense la même chose. Michel, si je te tape, je ne te tape pas parce que je te déteste. Je te tape parce que je t'aime. Oui, Michel, je t'aime. Je ne te déteste pas. Je veux juste que tu sois un peu plus éveillé. Peut-être je tape fort, mais il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de haine sur tout ce qu'on fait là. Je garde les dernières paroles de Maman Prestige, la classe qui vient de partir. Et pour arrêter le direct. À partir d'aujourd'hui, je pense que moi-même, je parlerai plus de ce sujet de Michel,
quel que soit ce que son, comment il s'appelle, son ex-époux va venir dire, tout au contraire, je pense qu'on va protéger Michel, parce que si pour lui, il devient, il veut déjà venir dénigrer Michel, et pourtant lui-même aussi pouvait aider Michel, on ne va pas le laisser faire. Mais en espérant que Michel a compris, Maman Prestige a dit, il y a les cours qu'on n'entre pas. Au quartier, même on a tous grandi, ceux qui ont grandi au Cameroun, il y avait les concessions où on ne mettait pas pied, c'était interdit de mettre pied, malgré qu'on était petit, on savait qu'on ne devait pas mettre pied là-bas. Donc, je pense qu'on va arrêter comme ça. Je vous aime. Respectons nos leaders. Si tu supportes Maman Pépé, respecte ce que Maman Pépé veut. Respecte les choix de Maman Pépé. Tu peux taper, mais ne tape pas, tu veux plus taper plus que elle. C'est elle la patronne. Si tu supportes Mafo, respecte ce que Mafo dit. Tu peux dire Mafo, oui, mais ne faut pas faire comme si c'est toi qui donnes les ordres, non. Puisque c'est Mafo la patronne. Respectez vos leaders. Je pense que je vais faire un direct pour les deux teams. Et je vais convoquer tous les deux teams, le team de Maman Pépé et le team de Mafo. On va faire un beau direct où on va parler ensemble pour, on appelle ça quoi, pour clôturer le pour essayer de parler. Je veux convoquer les deux teams où on va faire les choses, parce que moi je ne suis ni de la TKC ni des abeilles, je suis neutre. Donc je pense que je vais faire un direct où je vais convoquer les deux teams. On va parler, on va beaucoup parler à cœur ouvert. Donc bisous, bisous. Soutenons les gens qu'on a choisis à soutenir. Quand tu aimes une personne, même si tu veux lui parler, tu peux parler, mais tu doses un peu. Et apprenons à doser. Apprenons à doser parce que moi-même, je colle fort. Mais souvent, je dose.